Bien, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir vraiment de vous accueillir ce soir. Je suis très content d'être avec vous pour vivre cette activité. Au nom de Laval en transition, je vous souhaite cordialement la bienvenue à un panel ce soir, un échange qui s'intéresse à la protection des territoires. C'est une activité qui est présentée dans le cadre de la série « Repensons nos terres » du forum « Effet transition ». Mon nom est Gilles Lalonde. Je suis citoyen lavallois de Sainte-Rose et je serai votre hôte pour cette activité. Avec moi, pour nous aider au bon déroulement, il y a Marianne Perrault qui nous assiste pour tout le volet technique de l'activité. Là, je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Avant de passer à l'activité en elle-même et de vous présenter nos chers invités, j'aimerais vous donner quelques informations à propos de Laval en transition. Laval en transition, donc, est un mouvement qui est né de la volonté commune de citoyens et de citoyennes de Laval, volonté d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, pour transformer positivement notre communauté et pour lutter activement pour renverser la crise climatique que nous traversons. Les valeurs qui guident nos actions sont la participation, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination, l'audace et même, j'ai envie de dire, surtout, le plaisir. Inspiré par ces valeurs, Laval en transition désire rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous vivons et spécialement donc ici dans la région de Montréal et à Laval. Nous désirons souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganiankeaga, qu'on connaît mieux sous le nom de Mohawk, et que ces terres ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. On connaît bien les Mohawks, mais j'ai bien aimé apprendre en fait le nom du peuple Ganiankeaga. Et j'ai trouvé quelque chose de très, très beau, très inspirant en faisant mes recherches, comme on dit. Et j'ai appris que selon le contexte et les interprétations, Ganiankeaga pouvait signifier peuple de la lumière ou enfant des étoiles. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très poétique, mais je fais un lien dans quelques instants avec ça. Donc, je veux vous remercier évidemment de prendre part au forum Effet Transition. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez à cœur d'entreprendre ou de pousser plus loin vos actions pour l'environnement et pour la transition sociale et écologique qui est nécessaire. Cette transition, c'est quelque chose qu'on peut faire individuellement, bien sûr, par de simples gestes. Et je pense qu'il n'y a pas de petits gestes. Tout compte, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire par des actions conjointes, ensemble, collectivement. Voilà donc pour le contexte Effet Transition et Laval en transition. Maintenant, évidemment, une activité comme ça, vous vous en doutez, peut se réaliser grâce à l'appui de nombreux partenaires. Je tiens à remercier tous les partenaires pour leur participation, et en particulier nos partenaires qu'on appelle leaders de la transition. Et c'est la Ville de Laval et Desjardins Caisse d'économie solidaire. Merci également à notre partenaire de la web diffusion, Cinekinox, qui propulse la plateforme regardez-moi.ca. Et si vous me regardez moi, c'est que vous êtes présentement en fait sur cette plateforme. Finalement, Effet Transition est possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné leur temps et leur jus de cerveau pour rendre cet événement possible. Un merci spécial aussi aux élus et amis des citoyens qui ont aidé, qui ont contribué à la mise en place du forum Effet Transition. C'est un événement par et pour les citoyens. Il y a beaucoup plus de partenaires, encore une fois, et la liste exhaustive, vous pouvez la trouver sur le site web effettransition.ca. Une petite parenthèse avant d'aller plus loin. À la toute fin de notre activité ce soir, nous allons faire tirer un livre de Laure Varidel.
son dernier livre, son plus récent livre, qui est « La transition, c'est maintenant ». C'est un livre qu'elle nous offre gracieusement. Et pour ceux qui y étaient, Laure était avec nous au panel d'ouverture le 29 janvier dernier. Donc, merci beaucoup, Laure Varidel, pour ce cadeau. Et à la toute fin de l'activité, je vous reviendrai avec la question mathématique d'usage pour le tirage. Voilà. Ça nous mène au déroulement de notre activité. Quelques indications. C'est une activité qui va durer environ 1h45 et qui va se dérouler en deux temps, trois mouvements. Il y a une première heure environ, là, un peu moins peut-être, qui est consacrée aux présentations de nos panélistes avant d'enchaîner en deuxième partie avec un échange à partir de vos questions vers 20h, je pense. Je vous dis deux temps, trois mouvements. Le troisième mouvement à la toute fin, les remerciements, la promotion, quelques éléments de promotion et surtout le tirage. Maintenant, une petite note aussi à propos de l'enregistrement. L'activité de ce soir est enregistrée et sera accessible sur la page regardezmoi.ca. Donc, c'est une page des archives d'effets transition. C'est un accès qui est réservé aux détenteurs de passeports et qui est donc disponible jusqu'au 12 juin 2021. Ça, c'est pour l'enregistrement. Maintenant, à propos de vos questions, durant tout le déroulement de l'activité, vous êtes invité à inscrire vos questions dans la boîte de conversation, qu'on appelle aussi un chat en bon français, qui est disponible sur la plateforme. Là. Vous voyez ça probablement en bas de votre écran, là, si je ne me trompe pas, de mémoire. Et à partir du chat ou de la boîte de conversation, vous pouvez contacter en tout temps Marianne pour tout pépin technique, question ou problème. Donc, Marianne, elle est l'intermédiaire là, entre nous et vous. C'est sûr qu'on va essayer de répondre à toutes les questions. Vous en doutez sûrement, là, c'est un peu compliqué. Les questions posées, étant donné le temps limité, là, on n'y va pas nécessairement avec le premier arrivé, premier servi. On va plutôt prioriser les questions qui n'auront pas été directement répondues par les panélistes dans le cadre de la discussion ou les questions qui seront les plus populaires dans le chat. Si jamais durant la discussion, il y a un élément important qui ressort, donc vous voulez signaler quelque chose là, de majeur, n'hésitez pas à l'indiquer et Marianne sera votre voix à ce moment-là. Vous devez savoir, par exemple, qu'il y a un délai d'une quinzaine de secondes là, entre le panel et la diffusion sur la plateforme. En tout temps, vous pouvez être sûr que nous tenterons de rester le plus pertinent possible. Finalement, sachez qu'une vaste majorité des invités et des conférenciers et tous les animateurs participant à Effet Transition le font à titre bénévole. Ça, c'est pour vous inviter à être indulgent, finalement, parce que c'est notre première édition et on apprend beaucoup, je vous dirais, en faisant. On ne sera peut-être pas parfait ce soir, mais on essaye, on apprend et on garde le sourire. Nous vous demandons donc d'agir dans le respect et la bienveillance dans toutes vos interventions ce soir. L'idée, c'est de passer un bon moment, d'apprendre ensemble, de s'amuser aussi. Je vous disais que le plaisir est une de nos valeurs importantes. Donc, amusons-nous pour la prochaine heure et demie environ, qui débutera avec une présentation de nos invités. Voilà pour l'introduction à l'activité. J'enchaînerai maintenant avec quelques questions que nous avons préparées ensemble. Et peut-être rapidement, là, une petite mise en contexte pour la première partie. En discutant ensemble, ce qu'on a décidé, un peu comme dans un effet entonnoir, c'est d'aller du plus large au particulier. Donc, en partant de l'univers entier pour arriver tranquillement à Laval, qui est le lieu de Laval en transition. Je crois qu'il y a beaucoup de participants qui viennent de l'extérieur de Laval et soyez sans crainte, là, il y a des éléments aussi qui touchent, qui vont sortir, je dirais, de notre région lavalloise. Donc, l'univers, je pense que ça va vous paraître un peu ambitieux comme point de départ.
Mais j'ai trouvé bon de nous rappeler, un peu comme l'indique le nom de la nation Kanien-Kehaga, que nous sommes filles et fils des étoiles. Hubert Reeves aurait dit « nous sommes poussière d'étoiles ». Dans l'infini de l'espace, la Terre est notre seul vaisseau, la Terre est notre berceau et notre maison. Et jusqu'à preuve du contraire, et pour encore un bon bout de temps, c'est le seul endroit où nous pouvons vivre. C'est notre territoire, territoire partagé par tous les humains et par tous les vivants de la Terre. En me préparant pour ce soir, j'avais lu un article également du journaliste Alexandre Schill du Devoir qui fait ressortir des grands enjeux qui nous préoccupent en lien avec notre activité. Peut-être juste faire ressortir la question de... Très importante, c'est une bonne nouvelle, je pense, de l'atteinte en 2020 de l'objectif de protection de 17 % du territoire du Québec. Ça m'est apparu un pas important vers la cible de protection de 30 % du territoire d'ici 2030. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de revenir là, sur cette question-là dans nos échanges. Donc, c'est en ayant ça en tête que je souhaite débuter notre conversation en accueillant Mélissa Molène-Dupuis. Mélissa est chargée de la campagne boréale pour la Fondation David Suzuki. Comme vous l'avez peut-être vu sur le site du Forum, Mélissa est originaire de Mingan. Tu ne le diras pas à Nino, hein? Moi, ça m'a, en jasant tout à l'heure, ça m'a donné envie d'y aller. En tout cas, je suis jamais allé. Mélissa est née de mère Innu et d'un père québécois. Elle est artiste, cinéaste. Elle est aussi la cofondatrice de Idle No More au Québec, qui est un mouvement de résistance à l'adoption de lois dont les effets entraînent la violation de traités ancestraux. Mélissa, d'abord, un grand merci d'être avec nous pour le prochain bout de soirée. Et voici, comme tu es très engagé dans de nombreux réseaux qui ont des ramifications partout en Amérique du Nord et plus encore peut-être, tes expériences te donnent sans doute une vision globale assez large du sujet dont nous voulons discuter ce soir. Comme ça a été mentionné dans la description de notre activité, la protection des territoires contre l'exploitation est un enjeu planétaire qui est d'une importance capitale pour l'écosystème. Pour lancer notre conversation, j'aimerais te demander comment se présente la situation actuelle au Québec et aussi large que tu voudras aller, selon toi, et en particulier, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de la vision ancestrale, de la situation des Premières Nations en lien avec la protection des territoires? Tu me poses une bonne question aussi large que l'univers. Presque. Ben, j'aimais beaucoup le fait que tu disais que tu allais commencer large. écoute, il y a une chose qui est tellement drôle, c'est que justement, à travers des fois les vidéos, les médias sociaux, j'ai pu avoir un visuel de notre infinie présence minuscule dans l'univers. Ouais, ouais. C'était vraiment qu'on partait de T'sais, on part de l'humain, puis on reculait, puis on reculait, puis là, on voyait le système solaire, puis là, on voyait les galaxies, puis tout. C'est impressionnant. Oui, puis je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est plus grand que l'univers tel qu'il a été représenté là, puis c'était l'ego de l'être humain. Parce qu'il n'y a que l'humain qui est capable de se détacher, de se séparer de son milieu naturel et de se voir vraiment en distance de la Terre. Quand j'étais jeune, on disait souvent la terre-mère. Puis en étant enfant, je comprenais que c'était ma mère. Mais je ne pouvais pas comprendre tout ce que ça impliquait. Et plus je vieillis, plus je rencontre d'autres nations autour de moi, puis plus je comprends notre petitesse et notre interdépendance au territoire tel qu'il est, mais pas uniquement dessiné selon les lignes qu'on a créé dans notre tête. Parce qu'en créant des choses dans notre tête, on réussit à croire que les frontières qu'on dessine sont réelles. On réussit à se convaincre de ça. On réussit à se convaincre que les buildings de Montréal nous séparent de la forêt. On réussit à s'imaginer des choses incroyables qui nous détachent de la nature.
Alors, pour moi, le territoire, c'est certain que maintenant, tu sais, je vis à Montréal, je vis sur la rive sud, je travaille, j'ai mes enfants ici aussi, mais j'ai quand même un cordon ombilical qui fait 1000 km qui me relie au territoire qui m'a vu naître, puis ça, c'est Equanimity sur la basse côte nord. Et donc, j'ai, par ce cordon ombilical-là, une responsabilité, comme une fille à sa mère, de toujours venir protéger ce territoire-là. Mon ADN est créé de l'eau, de la nourriture qui vient de ce territoire-là. C'est vraiment comme dire que c'est ma mère. Fait que, cette responsabilité qui vient avec la protection du territoire, elle m'a été enseignée depuis que je suis très jeune. Et malheureusement, souvent, j'avais un discours contraire qui venait se mélanger à ça. Puis c'était un discours qui venait pas de la culture autochtone, mais plutôt de la culture allochtone. Puis souvent, je me suis servi des légendes de la création du monde pour nous montrer comment on nous avait raconté des histoires. Fait que dans une, il y a un texte qui dit « Et Dieu créa la terre, la donna à l'homme et dit « Va, répands-toi, prends ce qui est à toi. » Et dans mes légendes qu'on me racontait, eh bien, c'est plutôt « J'ai été mis sur la terre et je lui appartiens. » Donc, en ayant commencé nos imaginaires comme des nations séparées, avec ces deux points de départ comme histoire, on voit comment on peut traiter le territoire de deux façons complètement différentes, malgré le fait qu'on est tous des enfants de cette terre et de ce territoire-là. Donc, je pense que la première chose que je veux faire, si on veut commencer large, c'est recréer le narratif autour du territoire, autour de l'imaginaire qu'on a fait de ce qu'est le territoire, de ce qu'est la terre-mère. Et là, si je peux vous inviter à faire une chose avant de finir la soirée, regardez le territoire nord-américain. Vous allez voir un être vivant, une tortue géante qui est composée du Canada, des États-Unis puis du Mexique. On peut voir, on a des légendes de création de la Terre où on se trouve sur le dos d'une tortue. Et là, dites-vous qu'à chaque fois, ça c'est Jacob Wawati, c'est un aîné algonquin qui l'a enseigné, il dit à chaque fois qu'on va chercher le pétrole, c'est comme si on tirait le sang de la tortue. À chaque fois qu'on va faire chercher les sables bitumineux, c'est comme si on lui grattait la peau. À chaque fois qu'on prend des minéraux, c'est comme si on lui cassait les os pour lui prendre sa moelle. N'importe quel être vivant peut perdre un petit peu de lui-même, de même, en donnant aux êtres vivants qui sont sur sa peau. Mais nous, on le fait d'une manière qu'on n'est plus des bonnes bactéries sur la peau d'un être vivant, mais on devient comme des cancers. Donc, il faut qu'on transforme notre manière d'être, puis il faut qu'on arrête de voir le territoire coupé comme dans un schéma de boucherie. Comme ça, on va arrêter de penser que justement, cette tortue-là, on peut la séparer puis qu'elle va continuer à vivre puis à nous donner la vie en échange. Fait que vous comprenez, ça, je pars large, là, mais après ça, on peut faire du concret au jour le jour autour de ces histoires-là. Est-ce qu'il y a comme une espèce de paradoxe qui est quand même impossible, finalement, entre deux visions du monde, qui est celle que tu nous présentes? Je pense qu'il y a une déconnexion qu'on doit reconnecter. Ouais. Je me dis, si tu ne sais pas d'où vient ta nourriture, si tu n'as jamais parti du poulet à la croquette ou de la patate à la frite, tu sais, t'as pas pu voir ce chemin-là, si tu n'as pas pu voir la transformation du territoire en des choses qui sont venues dans tes mains, peut-être qu'il faut que tu reconnectes à ce territoire-là, que tu fasses le voyage, tu vois d'où viennent les choses. Et de plus en plus, c'est fou de voir que dans, disons, mon bol de mon bol de riz avec du saumon, avec des algues, tu sais, tout ça. Je regarde et je me dis, mais il y a du territoire de partout qui connecte à ce bol-là. Et beaucoup de gens n'auront pas cette réflexion-là. Donc, je pense qu'il faut voir un qui est déconnecté puis qui nous fait faire des choses sans voir, puis un autre qui nous connecte puis qui nous met face à la réalité de ce qui est devant nous, puis des incongruités de notre manière d'agir dans la vie à tous les jours. Mélissa, merci beaucoup. Moi, ça me soulève déjà plein de questions. Fait que j'ai malheureusement pas la possibilité de t'en les poser. J'imagine là, que dans les participants ce soir, là, il y a déjà en tout cas, je suis sûr que les gens prennent des notes et puis il y aura probablement des questions qui vont suivre. Et on va poursuivre dans quelques minutes ensemble, justement, peut-être sur un peu plus concret là, à partir de ton engagement, entre autres à la Fondation. On va poursuivre maintenant avec Hubert Lavallée. Merci Hubert d'être avec nous. Hubert, tout comme moi, est retraité depuis quelque temps. Il était ingénieur et moi, je trouve ça tout le temps formidable, très interpellant aussi, cette belle idée, je trouve, après une carrière qui était sûrement très exigeante, bien, de poursuivre dans les engagements sociaux.
pour l'environnement en particulier, comme Hubert le fait. Donc, notre invité, Hubert Lavallée, est président de l'organisme Protecteur, un organisme qui associe les consommateurs et les producteurs afin de contrer la dégradation du domaine agricole et des milieux naturels au Québec. En discutant ensemble la semaine passée avec Hubert, tu nous faisais comprendre la différence entre protection et préservation des territoires. Sur le site web de Protecteur, j'ai lu ceci. Nous contribuons au maintien d'une agriculture écologique, laquelle est garante d'une production durable, de la protection des écosystèmes et d'une saine alimentation pour les collectivités. On garde en tête qu'à Laval en particulier, c'est 30 % du territoire qui est zoné agricole permanent, qui est classé zone agricole permanente. J'aimerais savoir, Hubert, quels sont les liens entre la nécessité de la production alimentaire et la protection des écosystèmes et de la biodiversité? Est-ce qu'il y a une opposition, est-ce qu'il y a un dilemme entre deux nécessités, là, celle de se nourrir, hein, tout le monde, et de le faire, je dirais, sans... complètement creuser la carapace de la tortue, là, comme Mélissa nous l'évoquait. Merci, Gilles. Et merci à Laval en transition là, d'avoir invité Protecteur à ce panel. Et en fait, au début, on peut être un peu surpris qu'un organisme de préservation de terres agricoles soit invité à parler au niveau de la protection des milieux naturels, parce que la terre agricole, c'est en fait un milieu façonné par les humains qui souvent ne sont pas très respectueux des milieux naturels. Pour faire du pouce un peu sur ce que Mélissa disait, l'ego des humains est tellement grand, ils se pensent tellement intelligents qu'ils pensent qu'ils peuvent contrôler la nature. À mon avis, c'est tout autre. En fait, les humains font partie intégrante de la nature et c'est ce qui leur assure leur survie. Alors, si on n'en prend pas soin, évidemment, on s'en va à notre perte. Je vais partager une petite présentation qu'on a préparée à cet effet-là pour le bénéfice des téléspectateurs. Alors, je ne sais pas si tout le monde la voit, là, je vais la mettre en plein écran. Ça va être facile. Bon, on va commencer au début. Alors, comme je le disais, l'humain fait partie pour nous intégrante de la nature et en dépend de sa survie. Et ça, c'est pas nouveau. Hein? Dès que les hommes préhistoriques étaient chasseurs-cueilleurs, ils allaient chercher dans la nature tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre. Puis un jour, ils ont appris ou inventé l'agriculture en plantant des graines et en libérant une certaine partie du territoire naturel pour le façonner, pour se nourrir. Ben, durant les derniers millénaires, non seulement on a libéré un peu du territoire naturel, mais vraiment l'agriculture a détruit énormément de territoires naturels pour créer des territoires agricoles pour la production d'aliments pour les humains. Mais ça n'a pas toujours été fait. En fait, ça a rarement été fait avec un bénéfice pour l'environnement. On n'a qu'à penser que ça continue encore si on va... Si on entend parler du Brésil, des terres en Amazonie qui sont brûlées pour faire place à des pâturages pour des troupeaux de bestiaux, je veux dire, c'est pas ça qui va aider les changements climatiques, au contraire. Et c'est pas nouveau. Hein? Je lisais récemment un livre sur la vie de Alexandre von Humboldt, qui est considéré par plusieurs comme l'inventeur de l'écologie. Un Allemand qui, durant le 17e, 18e siècle, a voyagé un peu partout et a fait des découvertes étonnantes sur les relations dans les écosystèmes. Une des choses qu'il disait dans le livre que j'ai lu, c'est que quand il a vu l'exploitation que les colonisateurs espagnols faisaient en Amérique du Sud, qui était déjà de la monoculture il y a déjà 2 siècles et demi, 3 siècles, il voyait que ça dégradait les sols, il voyait que ça ne retenait plus l'eau comme les sols naturels peuvent le faire. Ils voyaient les impacts déjà qu'il y avait sur
la jungle environnante là, en Colombie et au Venezuela où il était. Alors, c'est pas nouveau, puis ça s'est exacerbé avec la création d'engrais chimiques et de toutes sortes de produits chimiques, pesticides, herbicides, qui ont fait que on est l'agriculture industrielle actuelle a un effet encore plus néfaste sur l'environnement. C'est pour ça qu'au niveau de Protecteur, nous, on endosse l'agroécologie. C'est quoi l'agroécologie? En fait, c'est au départ une discipline scientifique, donc des gens qui connaissent l'agronomie, qui connaissent les sols et tout ça, et qui étudient les relations entre cette agriculture, l'environnement et la société. Pour nous, Protecteur, c'est aussi un ensemble de pratiques qui vise à un équilibre entre les écosystèmes et l'alimentation qu'on produit pour les communautés, pour augmenter leur résilience, qu'on appellerait la souveraineté alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire de nos zones. Mais vraiment, quand on dit soutenabilité, on veut parler de quelque chose qui peut être maintenu pour les générations futures, ce qui n'est pas évident en ce moment, là, quand on regarde la dégradation des sols, l'érosion qui se fait un peu partout en agriculture. Finalement, l'agroécologie, c'est un mouvement social qui cherche à construire des systèmes agricoles alimentaires plus justes pour l'ensemble de la société. Un peu comme dirait Slow Food, bon, propre et juste. Bon, parce qu'on veut de la nourriture saine qui ne contient pas justement des éléments chimiques nuisibles, pesticides, ces choses-là. Propre parce qu'on a un impact négatif ou en fait minimum sur l'environnement, et juste parce que les travailleurs agricoles aussi doivent être dans des conditions qui sont correctes là, pour leur bien-être. La même chose pour la relève agricole. Alors, c'est vraiment ça à Protecteur qu'on met de l'avant, c'est de dire on veut une agriculture qui soit bonne pour l'environnement, qui soit bonne pour les humains et qui amène un bénéfice à la communauté. Pas si ça fait lien avec un peu, je pense, ce que Mélissa disait. Là, tout à fait. Merci beaucoup, Hubert. Moi, je me trouvais ambitieux de partir des étoiles là, de l'univers. Puis, avec ta présentation, on s'est connecté sur l'homme préhistorique qu'on était il n'y a pas si longtemps. Hein. Il faut se rappeler de ça aussi, que les changements qu'on vit, là, c'est comme vraiment dans un laps de temps très, très, très court dans l'histoire. La grande histoire de la Terre. Je trouve ça très, très intéressant, très important. J'espère qu'on aura des questions aussi en lien peut-être avec les résistances qu'un mouvement comme Protecteur doit générer d'une certaine façon. Là. Je pense entre autres à toute l'industrie agroalimentaire, tu sais, puis tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner cette grosse machine-là. Je voyais qu'il y avait des enjeux assez important aussi dans la protection des territoires avec l'industrie forestière, qui est un tout autre niveau, mais les mêmes questions se posent. Hein. C'est toujours l'enjeu entre l'économie, des besoins essentiels, puis la protection d'un environnement où peut-être qu'à court terme, on est moins conscient des problèmes là, que ça soulève. Ça m'amène justement à la belle question des forêts. Et là, on s'en va vraiment vers le plus spécifique, du côté des bois de Laval. Et pour nous parler de cet aspect-là, on accueille maintenant Cornelia Garbe, d'un organisme tout jeune. Je pense que c'était fondé il y a 3 ou 4 ans, pas plus, en 2017. Qui m'impressionne énormément pour un développement qui a été fait de façon très rapide, puis je dirais qui a engagé rapidement aussi là, beaucoup de monde, quelques années, et pas juste pour le développement rapide, pour toute l'importance de ce que vous faites. Donc, Canopé, le réseau des bois de Laval. Cornelia, notre invitée ce soir, est directrice générale de cet organisme-là. Elle détient une maîtrise en écologie des plantes et un doctorat en écologie forestière. Cornelia, avant d'être à Canopé, gérait un important projet de reboisement de la ceinture verte de Montréal.
Et ensuite, elle a été conseillère scientifique pour les municipalités afin d'augmenter la résilience de la forêt urbaine face au changement climatique. Bonsoir, Cornelia. Bienvenue avec nous. Merci d'être avec nous ce soir. Et je m'excuse, voilà. Avec notre première question, on cherche à présenter un portrait de la situation des milieux naturels en allant d'un regard plus large pour aboutir à l'exemple Lavallois. Comme la mission de Canopée Laval vise à protéger, conserver, rendre accessible, mettre en valeur les milieux naturels boisés sur le territoire de Laval, votre équipe a récemment réalisé une importante étude portant sur c'est une trentaine de boisés de Laval, dont plusieurs, d'ailleurs, sont devenus très populaires, moi je peux vous dire, en étant voisin du bas de l'équerre, très populaires en cette période de pandémie. Cornelia, qu'est-ce qui ressort de cette vaste étude que vous avez faite sur les bois de Laval? Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Merci, Gilles. J'aimerais juste tout d'abord m'excuser pour une prestation beaucoup plus stoïque que j'aurais aimé, mais j'ai eu une chirurgie au niveau de la bouche qui m'empêche de sourire puis de parler comme j'ai l'habitude avec ma face. Mais on va faire avec, puis j'espère que vous allez quand même bien me comprendre. Donc, juste pour vous dire que c'est ça, Canopée, c'est à la fois très jeune et à la fois, c'est une organisation qui sera très vieille parce qu'elle est issue de citoyens et de groupes de citoyens qui ont défendu les boisés sur le territoire pendant des décennies à bras de force, puis vraiment en tant que bénévole, et qui se sont regroupés à un moment donné pour dire que là, on a besoin de quelque chose, d'une vision cohérente, on a envie de poser des gestes qui lient les boisés du territoire puis qui ont un regard vraiment cohérent. Et une des premières choses qu'on a dit qu'il faut faire, et il faut dire aussi qu'à Laval, la mise en valeur des boisés est assez récente par rapport à d'autres endroits dans le monde. L'importance des milieux naturels au niveau politique n'était pas toujours parmi les priorités, disons-le comme ça, et ça a changé dans les dernières années, donc ça donne une occasion de ne pas juste protéger puis de s'enchaîner autour des arbres, mais de les mettre en valeur, de permettre au public d'y accéder, ce qui n'était pas possible pendant plusieurs décennies. Donc, la première chose qu'il faut faire pour avoir une idée de où on s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est là, c'est de faire un état des lieux. Et donc, pendant 2 ans, on a inventorié 30 milieux boisés de Laval. On n'a pas pu tout faire, mais on a fait la grande plupart des boisés. Et je ne sais pas si vous avez eu la même réaction que moi quand j'ai vu la carte pour la première fois. On se trouve quand même dans la troisième plus grande ville du Québec. C'est un milieu fortement urbanisé. Puis je ne sais pas pour vous, vous avez peut-être entendu, je ne viens pas du Québec nativement. Il y a une petite couleur dans l'accent. Mon premier contact avec Laval, c'était par les autoroutes. Et ce qu'on voit, c'est surtout gris, beaucoup de gris. Et quand pour la première fois, quelqu'un m'a dit « Viens voir les joyaux boisés à Laval », je dis « Mais voyons donc, sont où cachés ceux-là ? » Mais il y en a encore beaucoup. Et juste pour vous donner une idée, est-ce que vous voyez aussi ma souris quand je la bouge? Non. Alors, le bois de l'équerre qui est indiqué pas mal au centre de la diapositive. Oui, merci. Oui, là on voit. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour l'assistance. C'est à peu près, il a un peu plus de 200 hectares. Ça, c'est la taille du parc du Mont-Royal. Et vous voyez qu'il y a plusieurs gros morceaux comme ça encore sur le territoire. Donc, il y a au moins, il y a 6 grands territoires qui ont 200 jusqu'à 900 hectares. C'est des étendues incroyables pour une grande métropole comme Laval. Et c'est ça. Donc, et on pense aussi qu'à partir de 200 hectares, c'est la taille où la plupart des espèces forestières peuvent y trouver refuge. Donc, et vous voyez aussi au centre-ville qui se trouve plus en bas et au milieu de la diapositive, ça change un peu la donne. Vous voyez beaucoup plus de constructions, les boisées ont été réduites en taille considérablement, mais il y a encore quelques petits bouts. Mais les grandes étendues se trouvent surtout dans la zone agricole et comme l'avait mentionné auparavant, c'est vraiment grâce aux citoyens et aux agriculteurs que ces beaux morceaux ont été préservés à travers les efforts de construction et de densification. Donc, maintenant qu'on connaît un peu la taille, en quoi consiste la qualité, donc la diversité des habitats?
Parmi les 30 milieux qu'on a étudiés, mais 27 ont des milieux humides et 24 se trouvent avec des friches, c'est-à-dire des écosystèmes qui sont dominés par des herbacées, par des arbustes. Et je pense que vous pouvez comprendre que chaque écosystème, par sa nature, mais il offre refuge et nutrition à un éventail différent d'espèces. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle que les habitats sont assez diversifiés. Et on a aussi trouvé 20 milieux boisés qui ont des tailles de plus de 3 hectares. C'est quand même aussi une grosse taille. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a certaines espèces, comme je vous ai montré, la couleuvre brune, peuvent y trouver refuge quand il y a une taille suffisante. Et la couleuvre brune, c'est une des espèces où on sait qu'elle a perdu beaucoup d'habitats. Elle est vraiment restreinte à la grande région de Montréal. Donc, il faut prendre soin parce que si elle n'a plus refuge chez nous, mais elle n'aura plus grand-chose ailleurs au Québec. Et avant de passer à la prochaine diapositive, je voulais vous donner le chiffre de savoir qu'au Québec, au total, on a 460 espèces d'oiseaux qu'on peut observer. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien on trouverait à Laval? Dans un boisé donné à Laval, combien d'espèces d'oiseaux pensez-vous y trouver? Un dixième des 460 ou deux tiers? Parce que Laval, c'est quand même petit. Alors, Alexandre, si tu veux passer à la prochaine, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je vous ai préparé un petit diagramme. Il n'est pas trop compliqué. Je vous ai mis les 7 boisés les plus, le top 7. Le top 7, en fait, les plus accueillants pour les oiseaux. Et on voit que tout à gauche, au bois Sainte-Dorothée, par exemple, on trouve 200 oiseaux. Sur 460 au total au Québec, il y a 200 différentes espèces d'oiseaux au bois Sainte-Dorothée. Et vous voyez... Excuse-moi, Gilles? C'est presque à la moitié. Oui, oui, je trouve ça fascinant. Et c'est ça, le bois Sainte-Dorothée, c'est un des 5 hotspots de biodiversité d'oiseaux au Québec. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et je vous ai mis aussi quelques photos de nos collaborateurs, des bénévoles, des ornithologues qui partagent leurs photos et aussi des mangeoires qu'on trouve dans nos bois. Et aussi, les petites barres vertes, mais c'est des rapaces. On a au Québec au total 27 espèces de rapaces. Et on trouve dans nos top 7 entre 16, 17 et 19, 21, 22 des 27 espèces. Donc, c'est des chiffres assez impressionnants. Et pour les gens qui ne connaissent pas encore, venez visiter, venez voir les mangeoires. Ça donne un lien privilégié à cette beauté. Tu peux changer, Alexandre. Et enfin, j'aimerais ça revenir au petit boisé qu'on a parlé peu pour l'instant. Les boisés du milieu du centre-ville. C'est sûr qu'avec une plus petite taille, mais il y a moins d'habitats, il y a moins d'espèces, donc ils ne vont pas avoir le même effet « wow » au niveau des oiseaux, des couleuvres, des fleurs, mais on a aussi étudié dans notre étude les îlots de chaleur, les populations défavorisées et la densité de logements. Et ce sont ces petits bois au centre-ville qui répondent le plus aux besoins sociaux. Imaginez tous les gens qui n'ont pas d'auto, qui sont peut-être moins mobiles. Il y a beaucoup de populations âgées au centre-ville aussi, oui, qui, pour eux, c'est la seule façon de s'évader, de profiter d'un bol d'air frais, puis d'avoir un contact avec la nature. Donc, même si ce n'est pas la taille et la diversité, mais c'est quand même des besoins ou des besoins très importants auxquels répondent ces boisés-là. Et avec ça, je pense que je passerai la parole à Alexandre pour faire la suite. Oui, ben c'est déjà... Merci beaucoup, Cornelia. Moi, ça m'interpelle aussi sur, dans le fond, ce qui ressort un peu déjà des premières présentations, c'est le lien qu'on a avec la nature et puis l'importance des milieux naturels, entre autres, pour notre équilibre, pour notre équilibre mental aussi, là, pour notre santé mentale et pas juste pour la santé des écosystèmes. En fait, on en fait partie, comme ça a été déjà bien expliqué. Et ce que tu mentionnais, Cornelia, donc, c'est, je dirais, en plus là, de ce qui touche les bois, nos milieux renferment aussi des milieux humides, des friches. Et c'est un peu de ça, Alexandre, que j'aimerais
sur ça que j'aimerais t'entendre. D'abord, peut-être juste mentionner que toi, tu es natif de Laval, un Lavallois pur laine et un passionné de la nature de Laval. En fait, un passionné triste peut-être, parce que je pense qu'en grandissant, tu as vu la banlieue occuper de plus en plus de place au détriment de la moins nature. En moins d'endroits pour construire des cabanes dans le bois. Oui, ce que tu as dû faire largement. Oui. Alexandre nous disait qu'il avait arpenté à peu près tout, chaque centimètre carré des milieux naturels de Laval. Alexandre, maintenant, tu es biologiste, tu travailles pour le Conseil régional de l'environnement de Laval comme professionnel en milieu naturel et comme coordonnateur du projet Carbone scolaire, que j'ai bien aimé. On n'aura pas beaucoup le temps de parler de ça ce soir, peut-être en deuxième partie. Ton intérêt profond, je pense, pour les questions qui touchent à l'aménagement du territoire, je pense, t'amène à compléter peut-être le portrait lavallois en y ajoutant la situation pour les milieux humides, les friches, peut-être aussi nous présenter... avec les cartes là, que tu as préparées, le pourcentage de surface en milieu naturel à Laval et le pourcentage de surface de ces milieux qui sont protégés. Je pense que ça va dans le sens là, de ce que ouais, tu veux dire. Ça me fait plaisir de faire ça. Évidemment, on creux, je pense que ceux qui connaissent un peu l'écosystème lavallois des organismes, vous savez qu'au creux de Laval, on s'intéresse depuis longtemps à la protection des milieux humides. Je vous présente en gros... Je vous présente grosso modo à quoi ça ressemble les milieux naturels à Laval. Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, je reviens à la diapositive que je vous montrais avec pour Cornelia qui a fait un beau portrait déboisé. Donc, si on se transpose vers le détail de ces milieux-là, je vous présente une autre vision de Laval. Donc, vous voyez, je commence par vous montrer les milieux humides. Les ruisseaux, donc on a les principaux, là, le ruisseau Lapinière ici qui descend, qui prend naissance dans le bois Trécoré, qui descend vers la rivière des Prairies en passant par le bois Papineau. Vous avez également le ruisseau Papineau-Lavoie qui descend jusque vers la rivière des Prairies, vers Sainte-Dorothée. Puis à travers tout ça, bien, on voit très bien sur sur cette carte-là qu'en fait, les ruisseaux sont vraiment des veines c'est un peu le sang de l'île de Laval. Donc, ils prennent beaucoup de ces ruisseaux-là, prennent naissance dans les milieux humides que vous voyez qui sont en bleu un peu partout. Donc, les milieux humides suivent la même tendance que les boisés. Donc, on les trouve en grosse majorité dans la zone agricole et quelques-uns encore dans le centre-ville. Donc, j'ai une image d'un beau milieu humide, un beau marécage en bas à gauche. Il y a plusieurs types de milieux humides, des marécages, des marais, des étangs, les tourbières. On a de ces quatre... type de milieu-là à Laval en grande quantité, peut-être moins de tourbières, mais vous serez surpris à quel point on peut en trouver beaucoup des tourbières à Laval. C'est surtout des tourbières boisées, donc souvent on fait moyennement la différence avec un marécage, mais bref, on en a beaucoup encore à Laval. Ces milieux-là, donc le CRE de Laval, j'ai juste une information en tête, on les détaille, on les caractérise depuis plusieurs années, en fait, depuis les années 90. Et donc, on les connaît bien. En fait, on sait qu'ils couvrent autour de 1600 hectares sur l'île de Laval, qui en fait 26 000 hectares. Donc, c'est un petit pourcentage de l'île de Laval, mais quand même, 1600 hectares, c'est un bon chiffre. Parmi ces 1600 hectares-là, il y en a 67% qui sont protégés. Par une nouvelle réglementation qui a été mise en place cet été par la Ville de Laval, donc le règlement de contrôle intérimaire sur les milieux humides, donc en prévision de l'an 2022, qui est en fait l'année, la dernière année, en fait, la date butoir, en fait, pour que les villes, les MRC déposent un plan régional des milieux humides, donc d'avoir une vision plus concertée de l'aménagement du territoire au niveau de la protection de ces territoires-là, qui sont vraiment... comme les reins de la terre. Là. Ils ont plusieurs fonctions. Ils filtrent, ils régulent le niveau de l'eau, ils régulent la quantité d'eau qui se rend jusque dans nos rivières et quand ils permettent de garder un peu plus d'eau dans nos rivières durant les périodes de sécheresse, les garder un peu plus sur la terre pendant les périodes d'inondation. Donc, ça aide à réguler un peu tout ça. Donc, ça, c'est pour les milieux humides. Il y en a énormément.
À Laval, donc, il y en a 67 qui sont maintenant protégés et vous avez peut-être vu passer sur les réseaux notre mémoire sur les milieux humides qui auraient été oubliés par ce RCI-là durant l'été. Donc, nous, au Creux, on pense, et vous voyez bien, en fait, sur la carte, on pense que c'est 96 % et même plus. En fait, c'est la totalité des milieux humides qui devraient être protégés. Et on voit qu'il n'en reste pas énormément, en fait, ces milieux-là, sur la carte. Donc, je ne pense pas que ça soit exagéré comme objectif. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ce qu'on s'est fixé jusqu'à présent. Donc, ça, c'est pour les milieux humides. Après ça, on passe, bon, je vous présente un peu les bois. Ben, je vous montre les boisés. Je n'en parlerai pas énormément parce que Cornelia a fait déjà un bon topo. Donc, vous voyez que ça se tient tout autour des milieux humides. Faut pas oublier qu'il y a des milieux humides qui sont boisés aussi. Donc, parmi nos milieux humides, on a aussi du couvert forestier. Donc, c'est assez difficile de séparer les deux en ce moment. J'ai pas fait l'exercice tout à fait, mais tout à l'heure, Cornelia disait on montrait sur la diapositive que les boisés couvraient environ 15 % de l'île de Laval. Et je vous montre après ça les autres écosystèmes qu'on appelle les friches, donc communément appelés les champs. Donc, les champs, c'est des espaces où il n'y a pas d'arbres. Il peut y avoir des herbacées, des arbustes. Puis c'est vraiment des écosystèmes qu'on appelle de début de succession. Donc, ça peut être des anciennes terres agricoles, des anciennes terres industrielles ou simplement des endroits où il y a trop de vent pour que les arbres puissent pousser. Donc, ça maintient des écosystèmes qui sont très ouverts et bien, ça génère beaucoup de nourriture. Donc, une vaste majorité des espèces d'insectes se trouvent dans ces milieux-là. Donc, servent de nourriture pour beaucoup de la faune. On sait qu'il y a beaucoup de rapaces qui vont chasser dans les champs. Ils vont nicher, ils vont faire leur bébé dans les forêts, mais ils vont chasser dans les friches. Donc, les friches, il n'y a pas de couvert forestier. On pense que c'est une perte financière d'avoir une friche, surtout pour les agriculteurs, par exemple, qui ne cultivent pas ces terres-là. Donc, souvent, les friches, on les a laissées de côté quand on parlait de protection du territoire, parce qu'on pensait, jusqu'à il y a quelques années, que ça n'avait pas vraiment de valeur. Et pour cette raison-là, on ne les a pas vraiment non plus détaillées, caractérisées. Donc, pour la superficie qui est en friche là, sur l'île de Laval, c'est assez nébuleux. Là, je vous présente ce qui est présent, ce qui est disponible comme information encore pour le moment, mais les friches, on risque d'en ajouter dans les prochaines années de ces écosystèmes-là sur notre carte. Donc, la cartographie n'est pas tout à fait terminée pour ceux-là. Donc, ça adresse notre portrait. Si on ramène tout ça sur la même, la même couleur, donc on revient aux ensembles boisés qu'on présentait avec Cornelia. Donc, ce qui est en vert pâle, c'est ce qui est protégé. Donc, ça comprend à la fois les aires protégées qui sont inscrites et qui sont protégées par la loi sur la loi sur la protection du patrimoine naturel. Il y a les compensations aussi environnementales qui ont été données pour faire des développements ailleurs. Donc, quand on développe maintenant avec la loi sur la qualité de l'environnement, bien souvent, on doit compenser en protégeant d'autres territoires. Donc, ça, c'est ça en fait partie. Puis aussi, ce qui est zoné conservation en vertu du schéma d'aménagement. Et vous voyez aussi, en vert foncé, ce sont grosso modo tout le reste des milieux naturels. Donc, on voit un peu ce qui est protégé versus ce qui ne l'est pas. Puis on voit sur cette carte tout le potentiel de protection qu'il y a sur l'île de Laval. Donc, puis même qu'on ne présente pas vraiment les golfs là-dessus, mais il y a des terrains de golf qui pourraient éventuellement se retrouver à vendre, puis qui pourraient éventuellement devenir un très bon... qui pourraient devenir des friches, qui pourraient devenir des bons endroits à protéger. Et non pas un espace pour construire des condos. Non, c'est ça. Ça serait bien intéressant de pouvoir mettre la main sur ces terrains-là le jour où on aura à faire. Donc, ce qui est en vert pâle, ça représente grosso modo 11 à 12 % du territoire qui est protégé. Sur la carte, on dirait que c'est plus que 11 à 12 %. C'est simplement que dans les grands ensembles, si on regarde autour du bois Sainte-Dorothée, les bois Saint-François, bois Sainte-Dorothée, bois du Vernou, je veux dire, c'est pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces périmètres-là qui sont protégés. Il y a des terres agricoles, il y a des friches aussi qui sont pas protégées par aucun règlement de contrôle intérimaire. Donc, c'est pas parce qu'ils ont l'air gros qu'ils sont protégés à 100 %. Donc, on est à 11 à 12 % de ce qui est protégé pour le moment à Laval. Et sur ce 11 %-là, il y en a la moitié. Donc, on est à 5 % à Laval de conservation stricte. C'est-à-dire donc qu'on va laisser l'environnement, qu'on va peut-être faire des aménagements contre les espèces envahissantes, qu'on va peut-être mettre des sentiers, des activités peu invasives. Mais dans le reste, ce qui est
on va dire que c'est de la protection du développement durable. Donc, il peut y avoir de la coupe de bois, c'est souvent des terrains qui sont encore privés. Donc, il y a encore des usages du territoire qui sont autorisés dans ces milieux-là. Donc, on parle de 11 % dans le plan de conservation des milieux naturels qui a été adopté par la ville de Laval cet été. On parle de 11 à 12 %, mais en vrai, en conservation stricte, là, pour l'environnement en tant que tel, on est surtout de 5 %. Puis, dans le plan de conservation, on a mis l'objectif de 14 % de protection du territoire, ce qui est bien en deçà du 17 % qui a été atteint par la province de Québec, et bien en deçà aussi des objectifs de l'ONU qui visent à protéger plutôt comme 30 % du territoire pour assurer le maintien des services écosystémiques que ces écosystèmes-là nous rendent. Si on voit avec tout ce qui... Ah, excuse-moi, Jude. Non, j'allais dire, c'est la cible que notre gouvernement, en tout cas, a l'ambition d'atteindre d'ici 2030. Hein, ça, c'est dans C'est les objectifs qui sont émis, qui sont donnés par l'ONU, qui ont été repris par nos gouvernements. Et c'est toujours un peu, nous autres, ça nous a beaucoup surpris, ou en tout cas, à défaut de nous avoir déçus un peu au creux, de n'avoir qu'une cible de 14 %, surtout quand on voit avec tout ce qui est en vert foncé le potentiel de protection des milieux naturels. Donc, on voit qu'à Laval, on pourrait facilement se rendre à 18, peut-être même 20 % là, de territoires protégés. C'est évident qu'à Laval, il y a beaucoup de terres qui sont... Mais il y a 30 % qui sont agricoles. On ne peut pas changer la vocation de ces terrains-là. Et il y a déjà beaucoup de terrain qui est construit aussi, qui est bétonné. Donc, évidemment, on ne peut pas renverser cet état de fait-là. Mais on peut se rendre à une protection bien supérieure aux 14 % qu'on s'est donné comme objectif. Alexandre, merci beaucoup d'avoir complété notre portrait. Et ça donne une illustration, je pense, assez concrète là, d'une ville qui est une île en même temps, qui est une région en même temps, où on trouve, je pense, tous les grands enjeux qui me donnent, moi en tout cas, l'impression que vous n'êtes pas à la veille de baisser les bras au Conseil régional de l'environnement. Puis c'est vrai pour toutes les personnes qui partagent vos préoccupations. Il y a encore plein de beaux défis. Puis heureusement, je pense que tranquillement, la population se mobilise là, pour nous aider. Donc, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais j'aime ça entendre cet optimisme-là. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur d'une deuxième question. Là, je vois le temps qui file, puis j'imagine les questions qui doivent commencer à entrer. Là. Mais avant d'arriver à la période de questions, j'aimerais vous entendre sur peut-être des exemples de projets, des projets positifs, des projets réussis, inspirant, porteur, en lien avec le travail que vous faites. Je vais commencer avec Hubert, qui nous a parlé d'agroécologie. Ensemble, on avait aussi évoqué quelque chose, moi, que j'ai encore bien de misère à comprendre qu'est-ce que c'est. C'est une fiducie d'utilité sociale agroécologique qu'on appelle une FUSA. Je ne sais pas si c'est une bonne entrée, là, mais tu sais, pour amener, j'aimerais t'entendre dans le fond sur tout ça, puis concrètement. Là. Ben oui, en fait, à Protecteur, c'est un modèle qu'on a développé. On l'a développé au départ pour les milieux agricoles. La première fiducie agroécologique, d'utilité sociale agroécologique au Québec, a été créé à la ferme Cadet-Roussel en Montérégie il y a une dizaine d'années. Mais avant peut-être de donner les exemples concrets là, de ce qu'on fait en ce moment, juste rapidement, pour que les gens comprennent pourquoi on est allé avec un modèle de fiducie, je voulais expliquer un petit peu c'est quoi la fiducie. Parce qu'on en entend parler, hein, je me souviens de politiciens qui mettaient leurs biens dans des fiducies sans droit de regard, par exemple, où on parle souvent de fonds en fiducie dans des institutions bancaires. Alors, c'est quoi une fiducie? Une fiducie, en deux mots, c'est un bien qu'on dépose avec un objectif, une mission, pour faire bénéficier ça à quelqu'un à un moment donné. Donc, l'exemple peut-être le plus facile, c'est quand des parents décident d'ouvrir justement un compte en fiducie où ils mettent de l'argent pour les études des enfants quand ils veulent aller à des études supérieures. Alors, c'est quoi le bien? C'est l'argent. La mission, c'est l'objectif d'éducation des enfants. Les bénéficiaires, évidemment, sont les enfants. Et puis quand? Ben, quand ils auront l'âge d'aller à l'université ou au collège. Alors, au Québec, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec notre Code civil,
on a déterminé dans les années 90 un nouveau type de fiducie qui s'appelle la fiducie d'utilité sociale. Sa particularité, c'est que le bénéficiaire n'est pas un individu en particulier, mais bien l'ensemble de la société. Et ça, c'est unique. En fait, non seulement unique au Canada, mais je pense dans le monde entier. Alors, on a un moyen ici où on peut prendre une terre agricole, lui donner une mission agroécologique au bénéfice de la société et ça peut être perpétuel. C'est quand même assez fort. On peut se donner les moyens. Puis je parle d'une terre agricole, mais ça pourrait être un milieu humide, ça pourrait être une forêt, ça pourrait être n'importe quel milieu naturel qu'on décide de préserver à perpétuité avec une mission qui ne peut être modifié. Ça, c'est aussi la beauté de la fiducie. C'est qu'une fois que tu as décidé que tu la protégeais d'une certaine façon, là, sans y toucher ou avec des activités éducatives ou de recherche, ben, il n'y a pas personne qui peut le changer. Ni ceux qui l'ont créé, ni ceux qui la gèrent, ni ceux qui en bénéficient. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi la FUSA. On a un certain nombre de projets qui ont été réalisés. Les points que vous voyez en vert pâle sur la carte ici, c'est des projets en cours. Il y en a maintenant 8 FUSA en opération au Québec. Et tous les points qui sont en vert bleu, un peu plus foncé, c'est des projets potentiels. Certains qu'on accompagne en ce moment et certains qui sont en attente soit de financement ou des conditions favorables là, à créer la fiducie. Alors, des exemples, tu posais, Gilles, des questions d'exemples concrets. Je vais vous en donner 2. Il y a un projet que j'aime beaucoup parce qu'il fait lien avec l'environnement. C'est le projet FUSA Carbone Riverain. Carbone Riverain, c'est une entité qui a été créée par la coop de solidarité qui s'appelle Arbre Révolution. Arbre Révolution, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu partout au Québec, ils font des plantations d'arbres. Et avec les crédits carbone qui sont générés par ces plantations d'arbres, ils font plus de projets. Alors, dans le cadre de Carbone Riverain, ce qu'ils veulent faire, c'est aller rencontrer des propriétaires de terres agricoles et leur dire, on va vous protéger une bande riveraine additionnelle. Au lieu d'avoir 1 mètre, 3 mètres de protection, on va augmenter ça à 5 mètres, 10 mètres. On va vous compenser avec l'argent qu'on va aller chercher des crédits carbone pour la perte de territoire agricole pour la culture, puis on va protéger les bandes riveraines, les eaux, les milieux naturels à perpétuité avec des plantations d'arbres et d'autres plantes qui vont mettre là. Alors ça, c'est un projet de FUSA qu'on vient de commencer et qui devrait s'étendre dans toute la province, qui pourrait d'ailleurs être utilisé aussi à Laval. Un autre projet que je voudrais vous mentionner rapidement, c'est le projet 33 hectares. 33 hectares, c'est un projet pas tellement loin de Laval, à Mascouche, où des propriétaires terriens, des propriétaires de terres agricoles, ont décidé de voir avec les organismes communautaires, les organismes en sécurité alimentaire, banque alimentaire et autres, des organismes en insertion sociale, des organismes en éducation, des organismes en agriculture, évidemment, et autres, comment ils pourraient acheter une terre et la déposer dans une FUSA pour qu'elle serve aux besoins de la communauté à perpétuité. Alors, encore là, on parle de 33 hectares dans ce cas-ci, où des petits producteurs, des producteurs maraîchers, des producteurs de petits fruits ou de vergers, vont cultiver et pour des besoins, évidemment, alimentaires et pour des besoins pour des banques alimentaires, de sécurité alimentaire, des besoins éducatifs, des besoins agrotouristiques même. Et ça, c'est le genre de projet, à mon avis, à notre avis, dont toutes les communautés devraient se prémunir. Oui. En plus des agriculteurs qui font déjà du travail, mais pourquoi ne pas se donner les moyens en tant que communauté pour répondre aux besoins sociétaux là, dans notre communauté? Alors, il reste aux citoyens de Laval de faire la même chose. Moi, je pense que ça va inspirer du monde ce soir. En tout cas, je trouve ça très interpellant et très positif en même temps. On va poursuivre sur cette lancée-là avec Mélissa.
Merci pour ta patience, Mélissa, qui est intervenue au tout début. Moi, j'écoute, là, avec j'apprends. Je suis pas, j'ai pas peur. Je suis comme toutes celles qui sont dans la salle, que je vois pas malheureusement ce soir. Et qu'on partage un beau moment. Moi, ce que j'aimerais voir de ton côté, Mélissa, avec la fondation David Suzuki, je pense que la réputation est plus à faire. Là, je sais que tu es en particulier là, impliqué à la campagne Boréal. Mm-hmm. Soit à ce niveau-là ou à un autre niveau là, qui te vient en tête, est-ce qu'il vient des exemples de projets porteurs? Écoute, j'en ai dit. Il va y en avoir des tonnes. Mais. Là, je vais descendre de l'univers que j'ai commencé tantôt, puis je vais venir plus dans le concret, mais c'est un concret qui est très large parce qu'il est quand même sur la planète en entier. C'est les concepts des aires protégées autochtones. On en parle de plus en plus dans les dernières années. Puis un des endroits où j'ai eu la chance d'en parler, c'est souvent quand je vais au forum permanent sur les questions autochtones à l'ONU. Les questions d'aires protégées autochtones sont très... Il faut qu'il soit promu puis mis de l'avant, puisqu'il y a un concept autour de tout ça qui est très différent des aires protégées qu'on dit traditionnelles. Puis présentement, au Québec, là, si je reste dans notre territoire du Québec, on a participé avec aussi SNAP Québec à pouvoir faire avancer puis faire discuter autour des aires protégées autochtones, du concept des aires protégées autochtones, dans le cadre du projet de loi 46, qui est le projet de loi sur les... Les territoires qui vient tout juste d'être adopté. Hein, tout juste d'être adopté, puis justement, qui reconnaît la description des aires protégées autochtones. Cependant, ce qui est très différent, puis ce qu'il faut faire venir de l'avant, c'est justement c'est la promotion de c'est quoi un aire protégé autochtone, qu'est-ce que ça implique, qui gère un aire protégé autochtone, est-ce que les communautés aussi sont-elles prêtes à adopter des aires protégées autochtones? Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, les projets d'aires protégées venaient souvent même se faire à l'encontre des droits des communautés autochtones, déplaçaient les communautés ou empêchaient les communautés même d'accéder au territoire pour la pêche, la chasse, la cueillette, les plantes médicinales. Fait que pendant très longtemps, l'idéologie autour de l'aire protégée traditionnelle, c'est-à-dire une aire qu'on met de côté et qui est restée protégée sans l'humain, avait une connotation extrêmement négative pour les communautés autochtones. C'est-à-dire en poussant de l'avant la description d'aires protégées autochtones, puisque ça veut dire, c'est-à-dire une interaction, une gestion qui vient des communautés, une pratique traditionnelle qui se fait sur le territoire puis qui est reconnue comme une pratique aussi qui est bonne pour le territoire, a fait avancer dans les dernières années vraiment tout ce qui est le concept autour de l'aire protégée autochtone. Puis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2019, il y a un rapport de l'IPBES qui est sorti qui parlait justement des 1 million d'êtres vivants qui étaient menacés de disparaître sur la planète. Tout le monde a gardé vraiment un souvenir de cette annonce-là sur les 1 million d'espèces en danger. Mais dans ce rapport-là, il y avait aussi une mention des aires protégées autochtones ou gérées par les communautés autochtones comme étant celles qui étaient les plus en santé sur la planète. Parce qu'il ne faut pas oublier que les aires protégées autochtones, elles en existent partout où il y a des communautés autochtones. Et ça, c'est aussi de faire avancer, dans le fond, la discussion de la justice sociale. Et pour en avoir parlé avec plusieurs personnes qui travaillent dans différents pays, que ce soit des peuples autochtones dans le continent africain ou au Canada, aux États-Unis, souvent, les pratiques traditionnelles autochtones ont été très dévalorisées. C'est qu'au lieu de dire « c'est un chasseur », on va dire « c'est un braconneur », tu sais, alors que quelqu'un peut aller tirer un éléphant et c'est un chasseur, la personne qui mange du territoire, lui, est un braconneur. Fait que c'était vraiment, il y avait vraiment une opposition avec les organismes ou bien les gouvernements qui faisaient la promotion des aires protégées pour justement sortir l'humain. Et de plus en plus, avec la Fondation, justement, je pense que c'est ça qui m'a attiré le plus, c'est justement avec M. David Suzuki, c'est la discussion que j'avais eue avec lui sur sa reconnaissance des savoirs ancestraux autochtones qui sont liés justement au territoire autochtone puis à la protection de ces territoires-là. Où est-ce qu'on voit de plus en plus le milieu scientifique, le milieu environnemental reconnaître les savoirs ancestraux comme des savoirs qui vont protéger le territoire, qui vont aider les humains justement à se mobiliser autour d'une meilleure pratique sur le territoire. Et puis, si je peux finir, il y a un excellent livre de Robin Val Kimmerer qui s'appelle Braiding Sweetgrass. Et je suis désolée, je pense qu'il n'est pas encore disponible en français,
qui faisait justement un exemple d'une observation scientifique dans lequel ils avaient établi trois champs. Un champ d'observation pour le foin d'odeur, qui est une herbe sacrée qu'on fait pousser, qu'on utilise pour les paniers, pour l'artisanat et aussi pour de l'encens. Et là, la communauté avait demandé quelle manière de cueillir était la meilleure, un brin à la fois ou une petite poussée d'herbe à la fois. Et quand ils ont fait des observations scientifiques, ils se sont rendus compte que la patch qui avait le moins bien fonctionné, c'est celle qui avait été laissée tout seule. C'est que donc, dans l'idée de la conservation autochtone, il y a une interaction avec l'humain qui est importante parce qu'on fait aussi partie de la solution. Donc, plutôt que de se sortir de là comme un problème, sortir l'humain du territoire comme un problème, on met l'humain comme une solution à la conservation du territoire. Cependant, dans les annonces qu'on a eues, malheureusement, ce qui est triste, c'est que beaucoup des projets d'aires protégées autochtones qui se trouvaient plus au sud, qui ont été refusés. Ouais. Donc, les 17 % ont été atteints grâce à des projets d'aires protégées plus au nord, qui sont nécessaires aussi. Au nord des zones d'exploitation forestière, entre autres. Il est écrit chez les Inuits. Et c'est ce qui est triste, c'est que c'est nécessaire. Mais cependant, il y a une urgence aussi avec les territoires du sud qu'il faut qu'on mette de l'avant. Et là, ça veut dire quel genre d'aires protégées autochtones ils vont accepter, ceux qui sont loin des yeux, loin du cœur, ou ceux qui sont... est-ce qu'on va choisir entre la foresterie ou justement le futur des communautés? Et c'est des projets qui étaient mis de l'avant en collaboration entre communautés autochtones et allochtones. Donc, c'était quand même des projets novateurs puis dans un esprit de réconciliation. Et ça, c'est quelque chose qu'avec la Fondation, on peut mettre de l'avant. Mais c'est sûr qu'il faut avoir la mobilisation qui vient aussi des citoyens pour voir comment ces projets-là sont novateurs. Oui, je trouve ça vraiment, tu sais, à la fois, il y a quelque chose de beau, je trouve, dans le maillage qui se fait entre les communautés, autochtones, non-autochtones, aussi avec des points de vue donc ancestraux, des points de vue scientifiques. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, bien, la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, entre autres, en particulier au sud. Là, c'est ce que je disais aussi par rapport à la fameuse loi 46. Il faut réparer une vision qu'on a de la pratique autochtone, tu sais, où est-ce qu'il y a, c'est vraiment une « ah, c'est beau ce qu'ils font », mais tant que c'est pas en compétition avec l'industrie ou avec... mais nous autres, on n'est pas là pour se battre contre l'industrie, on est là pour avoir une meilleure manière d'habiter le territoire, puisqu'on on survit grâce à ce territoire-là depuis 7000 ans sur le territoire, donc... on a une manière de faire qui fait qu'on est capable de vivre ici encore 7000 ans, sauf si on continue de la manière qu'on a faite dans les dernières 500 ans. C'est une très pertinente question, très pertinente, que j'aurais envie de creuser, mais encore une fois, le temps file. Oui. Je sens Marianne qui doit être fébrile là, pour nous amener à la période de questions. On va continuer ce petit tour d'horizon là, de quelques exemples qui fonctionnent bien, porteurs, avec Alexandre. Si tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, Alexandre. Merci. De notre côté, au creux, je vais partager mon écran, en fait. De notre côté, au creux, on... Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Ça arrive. Ça arrive, certain. Share screen. Bon. Donc, on arrive à l'écran. De notre côté. Ici, je vous présente un peu... En fait, les aires protégées qui sont reconnues par la loi sur sur la protection du patrimoine naturel. Donc, ce qu'on entend par aires protégées traditionnelles, dont parlait Mélissa tout à l'heure, ce sont ceux-là qu'on a à Laval. Donc, vous voyez qu'il n'y en a vraiment pas énormément, surtout sur l'île de Laval. C'est surtout des aires qui sont principalement aquatiques. Et il y a le Creux, en fait, au début des années 2000, a activement participé, en fait, a créé une de ces aires protégées-là. Et c'est la réserve naturelle en milieu privé, qui est de l'archipel du Mitan. Donc, l'archipel du Mitan, c'est un grand écosystème de 68 hectares. C'est 5 îles qui sont reliées entre elles par des chenaux d'eau permanents, donc qui ne s'assèchent jamais. Et ces îles-là hébergent une faune et une flore qui sont vraiment exceptionnelles. Donc, comment ça s'est fait, en fait, c'est qu'en 2004, on a fait des inventaires, donc on a pu montrer la biodiversité exceptionnelle
de l'archipel. Donc, je vous présente, on a des colonies d'hirondelles de rivage là, à droite, donc les hirondelles de rivage qui nichent dans les falaises, comme on peut voir sur l'archipel. La présence de l'Île du Canada en haut à gauche, de verveine 5, d'Aricène dragon, donc toutes des espèces qui sont menacées et qui ont permis donc d'aller chercher un financement du gouvernement du Québec, mais de la ville de Laval aussi, pour faire l'acquisition de ces terres-là. Donc, ça a été acquis au nom du CRE. C'était donc en milieu privé. Et en 2007, en fait, on a fait reconnaître ce territoire-là comme une réserve naturelle qui sera protégée à perpétuité. Donc, c'est important le principe de protéger à perpétuité parce que ce que je vous montrais tout à l'heure, ce qui est protégé par des RCI ou simplement par la protection du développement durable, bien, tout ça, ça peut s'en aller comme ça avec une simple décision politique ou un mauvais momentum politique. Tu sais. Ouais. C'est vraiment c'est des outils réglementaires qui viennent de la MRC ou de la ville, donc qui ont permis de protéger temporairement ou en tout cas pour le moment des écosystèmes, mais ça n'en fait pas des aires protégées inscrites au registre des aires protégées. Donc, l'archipel du Mitan, avec ses 68 hectares, en fait maintenant partie. Et après ça, bien, nous, au CRE, on a transféré l'intendance de ces écosystèmes-là, donc la gestion des écosystèmes à la ville de Laval. Donc maintenant, ça appartient à la ville de Laval, mais ça reste tout de même une réserve naturelle qui est protégée par une entente juridique à perpétuité. Donc la ville de Laval pourrait y faire un port pour des kayaks, canots-kayaks, pourrait faire des sentiers, un petit pavillon d'accueil. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose s'implanter là. Pas de bateau à moteur, en tout cas. Non, bien, en tout cas, oui, sur la rivière des Prairies, il y a quand même beaucoup de bateaux à moteur qui passent, mais en tout cas, c'est sûr que dans les chenaux qui passent entre les îles, je ne suis pas sûr qu'ils réussiraient à passer. C'est un petit peu... De toute façon. C'est pas assez profond. Donc, ça, c'est un des gros projets porteurs qu'on a fait dans les années 2000, puis c'est un peu ce qu'on aimerait poursuivre là, dans les prochaines années. Oui. Évidemment, les terrains à Laval coûtent très cher. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le gouvernement du Québec fait ses aires protégées, surtout dans le Nord. On brime moins de gens, on brime moins de promoteurs dans le Nord, mais dans le Sud, il y a ces enjeux-là de coût des terrains, mais aussi de combien de personnes on tasse. Donc, à Laval, il y a des terrains qui sont séparés depuis les années 70, 80, 90. Des gens qui viennent de Montréal, qui attendent depuis 50 ans, 40 ans que leur terrain puisse être construit éventuellement. Ouais. Donc, c'est des milliers de petits propriétaires qu'il faut aller, cogner à leur porte pour leur téléphoner. Ils ne nous répondent pas, donc il faut y retourner pour les convaincre que ça ne se construira jamais, leur terrain. Donc, voulez-vous ou bien nous le donner ou bien le transformer en réserve naturelle, en milieu privé, même si c'est juste 3000 mètres carrés. C'est avec l'addition de tout ça qu'on finit par pouvoir faire des territoires qui sont accessibles au public aussi. Là. Parce que ça va être protégé par des RCI, par tout plein d'outils réglementaires. Reste que la population n'y a pas accès parce que ça reste un milieu privé. Donc, c'est important qu'on utilise tous les outils qui sont disponibles pour nous, autant du côté de la ville que du côté des organismes, pour faire des acquisitions dans ce genre-là, pour bonifier l'accès à la nature et la protection de la nature. C'est un bel exemple, je trouve, puis tu sais, il y en aurait plein d'autres là, dont on pourrait discuter éventuellement, parce qu'il y a une effervescence, je trouve, sur ce thème-là. Et quand tu disais, Alexandre, tu sais, le travail, c'est aussi beaucoup de convaincre. Hein. Mm-hmm. Moi, ce que j'entends, c'est aussi un travail d'éducation nécessaire. Donc, convaincre beaucoup les propriétaires, puis des grands des organismes peut-être d'envergure, mais aussi les citoyens. Et c'est la question que j'avais envie de poser à Cornelia, parce que c'est un travail, je pense, c'est une partie très importante de votre travail à Canopée Laval, que d'éduquer les citoyens, dans le fond, pour leur permettre de passer à de bonnes, pas juste de bonnes intentions, des fois qui peuvent peut-être même nous piéger, mais à de bonnes pratiques. Comment ça se présente pour vous, cette question-là, chez Canopée? Oui, j'aime beaucoup cette question parce que je trouve toutes les initiatives dont vous avez parlé, c'est hyper stimulant. Puis je trouve que dans les dernières années, il y a une naissance de volonté citoyenne et d'organismes. Puis il y a une mobilisation au niveau gouvernemental qui nous encourage, qui nous souffle un peu de vent dans nos bateaux. Mais il y a aussi une question de protéger les territoires lorsqu'il est peut-être déjà protégé, mais d'ajuster nos comportements. Puis nous, on est beaucoup sur le territoire, on jase beaucoup avec les gens parce que c'est souvent déchirant.
On croise beaucoup de gens avec des super bonnes intentions, mais qui ont en fait des effets assez néfastes sur le territoire. Puis les gens ne le savent juste pas. Ce n'est pas qu'ils sont de mauvaises intentions, mais ils savent pas. Donc, on travaille beaucoup à sensibiliser, puis on met en place des sites web pour expliquer, etc. Simple exemple, les gens, on voit souvent nourrir les oiseaux avec du pain. Ben oui. Puis moi, je me rappelle, mes parents l'ont fait avec moi toute ma jeunesse, puis j'adorais aller nourrir les canards, puis avoir l'impression de faire quelque chose de bien pour les animaux. Mais en fait, maintenant, je le sais, le pain donne l'impression aux oiseaux d'avoir le bidon plein sans les nutriments nécessaires pour passer à travers l'hiver. Donc, il y a des oiseaux qui meurent de famine, mais avoir le bidon plein. C'est juste que le pain, ce n'est pas la bonne nourriture. Donc, les oiseaux meurent de manque de nutriments. Un autre exemple qu'on a souvent, c'est les riverains qui habitent autour du boisé. Ils mettent leur compost, leurs déchets verts dans le boisé avec la bonne intention. « Ah, mais je ne vais pas le mettre à la poubelle, ça va aller dans la forêt, etc. » Les tapins de Noël aussi, c'est bien populaire dans les milieux, dans les cours des gens. Souvent, les gens vont jeter leur sapin de Noël beaucoup aussi. En ayant l'impression peut-être que c'est naturel, que ça nourrit le sol, ou c'est pas le cas? Effectivement, mais ce que ça fait, oui, ils mettent ça, oui, il y a aussi des gens qui veulent embellir leur forêt. Donc, ils vont planter des émeraudes ou des plantes qui sont non indigènes dans la forêt. Mais ce que ça fait, c'est que c'est ça, il y a des espèces qui ne font pas partie de l'écosystème, qui vont déplacer les espèces naturelles. Ou encore, dans le cas où les gens dumpent le compost, la plupart des gens ne savent pas que les vers de terre ne sont pas indigènes au Québec, en Amérique du Nord, sont tous introduits de l'Europe. Et quand on demande aux gens, mais qu'est-ce que vous pensez des vers de terre? Ah, c'est bon pour la forêt, ça fait du bon sol. Mais on est au Québec, ou en tout cas en Amérique du Nord, c'est très néfaste parce qu'ils font que d'habitude, il y a une belle couche de litière, c'est-à-dire des feuilles mortes qui tombent à l'automne, qui protègent, qui font une belle couche de feuilles mortes sur le sol et protègent toutes les plantes printanières qui ont leurs bulbes, comme les tulipes ou comme les crocus qui ont leurs bulbes dans le sol. Oui. Les vers de terre arrivent, ils font une sorte que la litière se décompose beaucoup plus rapidement, puis les bulbes n'ont plus de protection, il y a un peu de neige, mais cette couche de feuilles est plus là. Donc, ça met en danger notre flore printanière qui est juste simplement exceptionnel. Oui. Et peut-être un dernier exemple, c'est le piétinement. Et je reviens à quelque chose que tu as abordé tantôt, c'est l'achalandage qui a augmenté. Oui. Je veux dire, un des mini et peu bénéfices des effets collatéraux positifs de la COVID, c'est que les gens fréquentent les milieux naturels de plus en plus. Pour vous donner, on a des compteurs automatisés dans 3 boisés, puis c'est entre 60 et 200% d'achalandage qui a augmenté depuis 2019. Donc, au bois de l'écart, parce que tu habites à côté, c'est un des boisés les plus fréquentés. En 2019, on avait autour de 50-60 000. Maintenant, on a 85 000 en 2020. Donc, c'est vraiment un achalandage beaucoup plus grand et c'est génial parce que les gens, moi, je suis convaincue que ce que je connais, ce que j'aime, prendre les mots de Mélissa, j'ai une connexion au territoire, puis je vais agir pour le défendre, puis pouvoir en profiter de plus en plus. Mais les gens veulent sortir des sentiers, explorer, avoir le sentiment, mais 86 000 sur 200 hectares, c'est pas comme dans la forêt, dans les Laurentides, derrière le chalet qu'on a loué dans un Airbnb, c'est beaucoup de gens et... Alexandre, peux-tu partager l'image d'Étrie? J'ai vraiment besoin de parler d'Étrie. C'est une des fleurs les plus magnifiques du Québec. Elle est grosse comme, je dirais, grosse comme ma paume de main, la fleur. Ça fait des tapis au printemps. Mais savez-vous qu'un tri, en moyenne, ça prend 17 ans avant de fleurir? 17 ans d'efforts de pousser, de ramasser quelques nutriments, de continuer à pousser juste pour faire un bébé ou quelques bébés une année. Ouais. Donc, à chaque fois que les gens sortent, ramasse ça. Vous, à droite, vous voyez un grand-père qui voulait, avec sa fille, faire un beau bouquet pour sa petite fille, mais c'est des années et des années de... Merci, okay. Alexandre. C'est des années et des années d'efforts de détruire aussi l'importance de rester dans les sentiers parce que si 86 000 personnes sortent des sentiers et pilent une plante, c'est 17 années d'efforts qui sont détruits.
Bien, déjà ce soir, tu sais, ça nous donne un exemple de l'importance de la sensibilisation, de l'éducation. Je dirais que ça nous place devant un équilibre, tu sais, entre on est content que les gens profitent de ces milieux-là. Puis moi, pour être voisin du Bois de l'Équerre, je vois tout le travail qui a été fait pour orienter les gens dans les sentiers, etc. Donc, c'est populaire, on en profite plus, mais en même temps, il y a du travail à faire. Dans le fond, pour éviter que justement on vienne cueillir des fleurs qui ont pris 17 ans à apparaître. Et j'accueille Marianne. Bonsoir Marianne, merci. On a 4 panélistes. Je suis désolé, je me suis laissé prendre par l'intérêt de chacune des présentations que vous avez faites. Avec Marianne, on va tout de suite enchaîner avec la période de questions. Il y en a quelques-unes, je suis sûr. Oui, il y en a quelques-unes déjà. Puis j'invite d'ailleurs les gens à continuer d'écrire leurs questions. Donc, je vais essayer d'être bonne pour les transmettre aux panélistes. D'ailleurs, peut-être tout de suite, Cornélia, justement, vu que vous veniez d'en parler justement au niveau des sapins de Noël, il y a une dame, Virginie, qui souhaitait clarifier au niveau des sapins de Noël parce qu'elle disait que c'était notamment recommandé pour la conservation de la nature, pour aider les oiseaux. Fait que là, elle disait, là, est-ce qu'on devrait ne pas les utiliser? Elle voulait clarifier là, au niveau du problème. Est-ce que c'est dans la cour des gens ou dans le fond, c'est dans les boisés qu'il ne faut pas les mettre? Effectivement, dans la cour des gens, c'est une très bonne idée de les mettre, même après Noël, les laisser là, les oiseaux viennent s'abriter. Dans les boisés, c'est une moins bonne idée parce que souvent, justement, ils vont empêcher des plantes qui sont là de pousser. Aussi, il y a quand même considérablement encore des choses qui se trouvent dans l'arbre qu'on jette avec. Mais dans la cour, c'est une très, très bonne idée. OK, parfait. C'était surtout pour être certaine donc, qu'on clarifiait le tout. Dans les questions que j'ai reçues, il y a une citoyenne, en fait, donc Virginie toujours, qui demandait, qui posait la question par rapport justement, notamment aux abeilles. Elle mentionnait un reportage justement qui est tout récemment été publicisé par la Semaine verte, qui a mis en évidence justement l'impact négatif des colonies d'abeilles qui sont mises dans les milieux par les humains. Pour justement aider au service de la pollinisation, mais on se rend compte justement qu'il y a un enjeu au niveau des abeilles domestiques versus les abeilles indigènes. Puis, elle se demandait, est-ce qu'un réaménagement des terres agricoles ou de la création d'habitats pour les pollinisateurs autour et dans les parcelles est envisagé pour s'affranchir de cette dépendance aux abeilles domestiques? Comment on peut faire justement pour aider nos abeilles indigènes? Avez-vous des pistes de solutions? Là, j'ai envie de me tourner vers Hubert, là, mais peut-être que parmi vous, il y a des pistes de solutions détenues. Ben, c'est sûr qu'idéalement, on ne devrait pas avoir recours à des ruches qu'on transporte d'un endroit à l'autre pour polliniser notre agriculture ou nos forêts. L'écosystème est capable de produire ses propres pollinisateurs. Le problème avec l'agriculture industrielle, c'est qu'on les tue, ces pollinisateurs-là. C'est pour ça qu'on a commencé à avoir une ressource externe qui est amenée. Alors, revenons à des procédés qui sont plus naturels, qui laissent les pollinisateurs, qui ne sont pas juste les abeilles d'ailleurs, vivre dans la nature et le travail va se faire, la pollinisation va se faire. Il faut arrêter de les tuer avec des pesticides et d'autres produits là, qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas se reproduire et tout ça. Et donc, justement, avec une agriculture qui est peut-être plus régénérative aussi, là, dont vous parliez tantôt. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Très bien. Je sais pas, j'ai vu Alexandre, justement on aurait dit que tu voulais répondre. Ouais, ben, je réfléchissais visiblement. Mais en fait, je ne suis pas un expert là, des abeilles, surtout des abeilles indigènes. Ce que j'en sais par contre, c'est que la plupart de ces espèces-là sont solitaires et vont faire leur nid dans le sol, dans des cavités d'arbres morts, même des arbres vivants. Donc, je me dis, le moins on travaille le sol des milieux naturels, le plus on les laisse intacts, le plus on laisse des chicots, des arbres morts debout, même après leur mort, bien, ça permet de maintenir les services qui permettent d'avoir ces abeilles-là de notre côté. Parmi nous. Là. Puis comme Mme Virginie disait également aussi, les préfleuries, bien,
si, en autant que ce soit des espèces indigènes, bien, normalement, il y a un lien entre les espèces d'abeilles indigènes et les fleurs indigènes qui peuvent aller polliniser. Donc, effectivement, des parcelles fleuries, je pense que c'est vraiment un des meilleurs, une des bonnes solutions là, pour les maintenir parmi nous. Alors, privilégié. C'est drôle, ça. Ah, oui, Cornelia. Oui, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour faire une déclaration contre le gazon et encourager les citoyens aussi. C'est dans votre pouvoir de soutenir les pollinisateurs indigènes. Chaque bout de gazon que vous remplacez avec quelque chose qui fleurit, c'est un soutien actif pour les pollinisateurs. Donc, allez-y. C'est ardemment. Oui. C'est drôle parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. Mais on est tout le temps pris dans un dilemme avec notre culture. Les pelouses viennent de la culture anglo-saxonne. Hein? Et effectivement, c'est des milliers d'hectares là, qui sont, je dirais, perdus là, pour de belles pelouses, d'une monoculture, puis presque. Là, Oui, c'est la définition d'une monoculture. Fait que, j'avais une statistique par rapport à ça. Ça remonte à loin, ça l'a peut-être changé, mais c'était quelque chose comme 20 % ou 30, même quelque chose comme 30 % des terres cultivées en Amérique du Nord qui étaient des pelouses. Donc, ça comprend les golfs également. Ben oui. Mais c'est énormément de territoires qui sont perdus simplement pour l'esthétique. Là. Fait que, je me dis, en termes de sensibilisation, ça ne doit pas être facile, je dirais, d'éduquer une personne pour qui l'idéal là, d'un bel environnement, c'est une pelouse fraîche coupée. Alors faire du grand ménage là, dans un boisé finalement là, qui serait tout nettoyé avec rien qui traîne, c'est pas nécessairement une bonne idée. C'est parce qu'on parle de notre sentiment, de notre perception de la beauté, et ça c'est quelque chose qui est fortement culturellement imprégné. Je me rappelle mon pays natal, l'Allemagne, dans les années 80, on a arrêté d'enlever le bois mort parce qu'on a reconnu à quel point c'est important, mais la population ne comprenait pas. C'était sale, c'était le bordel, tout le monde se levait pour dire « Mais qu'est-ce que vous faites avec la belle forêt bien ordonnée, bien propre? » Ça nous a pris 10, 15, 20 ans pour que les citoyens se rallient à l'idée que « Oh, mais OK, ça peut être beau, c'est naturel, c'est maintenant, mais de lutter contre le sentiment, puis on a agrandi avec cette idée-là que la monoculture, l'aller avec les mêmes arbres tout le long, c'est ça qui est beau. » Oui, ça prend du temps. Ben, si je peux me permettre, je sais que, comme je disais tantôt, on va rêver grand parce que l'univers est devant nous, là, mais si on a un problème présentement, en 2021, à être pogné chez nous, c'est dû au fait qu'on a tellement pris d'espace qu'un pangolin et une chauve-souris se sont rencontrés. T'sais. Présentement, on bouffe tellement d'espace en tant qu'espèce vivante que justement, même les espèces qu'on a harnachées pour justement l'agriculture, comme les vers de terre ou les abeilles qui n'existaient pas en Amérique du Nord, même elles sont des fois vues comme en danger parce qu'à cause des pesticides. Fait qu'on peut imaginer des variétés qui sont autochtones au territoire et qu'on a besoin pour la foresterie, pour la forêt, excusez-moi, pas la foresterie, mais pour la forêt, puis je pensais à la foresterie, mais en voulant dire pour laisser la forêt grandir. Et l'idée même qu'on doit laisser de l'espace à la nature est difficile pour nous. On voudrait que l'hectare de forêt soit efficace. Mm-hmm. Ouais, c'est genre que tous ces besoins soient gérés par cet hectare-là, alors qu'il faut laisser de l'espace. Parce que présentement, je fais juste penser au fait que le caribou a été repoussé dans les confins du Nord, alors qu'on en trouvait aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. Alors, l'humain prend beaucoup de place et veut trouver un moyen d'amener les abeilles à des endroits qu'il peut gérer sur son hectare. Tu sais. Et l'idée même de redonner les territoires à la vie naturelle et qui sont extrêmement difficiles. Chaque petit carré que vous avez présenté à Laval, je me suis dit, mais ce n'est même pas encore assez suffisant pour tout ce qui est un besoin. S'il y a du piétinement, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'arbres pour les 30 000 ou 80 000 visiteurs qui viennent annuellement. C'est qu'il y a un problème et on veut gérer ces arbres-là dans cet hectare-là. Et ça, c'est ça qu'il faut qu'on défasse déjà. Il faut qu'on accepte de défaire ça et on est très prisonnier de notre mentalité, on est prisonnier de notre pelouse
On est prisonnier de nos rangées d'arbres, de nos buissons. On est prisonnier du fait aussi, parce qu'on parlait d'agriculture, puis je me dis, mais l'agriculture ne devrait pas être en compétition avec la nature dans nos idéaux. Pourtant, tu sais, je veux dire, les terres agricoles, ce sont des terres vivantes. Peut-être pas comme on les garde en vie aujourd'hui avec toutes les herbicides et les pesticides, mais je parle une vraie terre qui a été faite en collaboration avec son environnement est une terre vivante avec des microbiotes qui nourrit plus qu'une monoculture. Alors présentement, on a de la misère à défaire nos esprits. Puis je vais juste vous parler d'un modèle d'agriculture, par exemple, qu'un membre de la communauté algonquine m'avait partagé. Il dit, moi, ma mère, ma grand-mère, elle plantait son jardin, puis après ça, ils partaient. Ils allaient sur le territoire, ils allaient à la chasse. Et l'idée même pour un Nord-Américain de laisser sa terre sans surveillance, de ne pas protéger ses carottes, de se dire que quelqu'un pourrait venir cueillir ses affaires. Au secours. Il y a une vibration, alors que pour les communautés autochtones, il y avait un partage de la ressource. Parce qu'elle était là, elle était garantie de toujours être là, elle était disponible à tous. Donc, il faut qu'on brise beaucoup de nos chaînes mentales pour que ces solutions-là grandissent d'elles-mêmes. Parce que, tu sais, il faut qu'on arrête de penser à juste vouloir trouver une solution d'un hectare, puis il faut peut-être se dire qu'il faut qu'on grandisse en dehors de notre cerveau humain. C'est un peu ce qui est arrivé aussi avec la question des plaines inondables, puis des milieux humides aussi, là, dans une certaine mesure. Je reviens là, sur le concept de laisser l'espace à la nature. Bien, pendant longtemps, on ne s'imaginait pas que la nature elle avait un besoin d'espace. Puis on a construit dans les plaines inondables. On a linéarisé des ruisseaux. On leur a enlevé leur espace de liberté. Un ruisseau, normalement, c'est des méandres qui débordent avec des espaces pour déborder au printemps. Ça crée des milieux humides tout autour. Ça fait des milieux de vie. Mais parce qu'on voulait de l'espace pour construire des quartiers résidentiels, pour drainer nos terres agricoles aussi, que nos terres agricoles ne soient pas tout le temps pleines d'eau, mais on a creusé on a linéarisé ces ruisseaux-là pour mieux drainer nos terres. Donc, avec le choc des inondations là, qu'on a vu en 2017, en 2019, oui. Ça l'a un peu remis, ça l'a pas juste un peu, là, ça l'a beaucoup remis en question l'occupation du territoire qu'on peut avoir par rapport à l'espace que les écosystèmes ont besoin d'avoir. Puis bien, heureusement, avec le gouvernement Legault, bon, ils ont interdit maintenant les constructions en zone inondable. Et moi, je pense après ça qu'il va falloir qu'on s'attaque aux ruisseaux aussi, là, en particulier à Laval. Là, je vous montrais au début de ma présentation les ruisseaux Lapinière, les ruisseaux Papineau-Lavoie. Bien, c'est juste des exemples parmi tant d'autres de ruisseaux qui peuvent déborder, qui ont des besoins, qui doivent entrer en crue. Puis bien, de leur redonner cet espace-là, ce n'est pas de l'espace perdu, ça peut être des milieux de vie qu'on crée là, pour la population. Ces milieux-là ne sont pas inondés à longueur d'année, ça peut devenir facilement des endroits visitables. Donc, il faut, comme il s'est dit, il faut se recentrer par rapport à notre univers, à nos écosystèmes, pour leur redonner ce qu'ils ont besoin. Les écosystèmes ne sont pas arrivés là parce qu'on le voulait, ils sont arrivés là parce que le territoire l'a voulu. T'sais. Donc, voilà, nos écosystèmes ne sont pas là pour rien, puis je pense qu'il faut qu'on recommence à les prendre en compte dans l'aménagement de nos territoires. J'ai une autre question pour vous. Alexandre, on parlait tantôt justement des friches. Est-ce que actuellement, ma compréhension en fait, c'est que les friches ne sont pas protégés nécessairement actuellement. Là, je sais que Hubert nous parlait de la FUSA, donc de cette fiducie. Est-ce que ça pourrait être justement tous ces milieux-là, là, les RCI, je pense que tu as utilisé tout à l'heure, tous ces milieux-là ou ces terrains qui sont possédés par des citoyens, est-ce qu'il y a des moyens, en fait, pour les citoyens, justement, de les protéger ou de en fait, comment on fait pour faire en sorte, quand on est un citoyen, qu'on a un boisé derrière chez nous pour que ce boisé-là soit protégé, de un, puis de deux, quand on est propriétaire d'un terrain qui peut avoir une valeur ou non aux yeux des autorités, mais qui est un terrain, justement, qui peut être laissé à la nature, comme ce que vous venez de nous présenter. Comment on fait, justement, pour faire en sorte que ça devienne une aire protégée? Si vous êtes propriétaire d'un milieu naturel pour lequel vous pensez qu'il y a une belle valeur écologique et que vous voulez le faire protéger à perpétuité, je vous invite à contacter le CREU pour qu'on puisse justement enclencher le processus. Là, en fait, c'est vraiment un
simple processus judiciaire. C'est de la même façon qu'on vend un terrain, qu'on achète une maison. On donne son terrain à une en fait, on donne une servitude de conservation où on la vend, dépendamment de comment ça peut se passer. Mais avec les organismes de conservation, c'est vraiment eux qu'il faut contacter pour pouvoir faire ces réserves naturelles-là en milieu privé. Protecteur pourrait être aussi justement une option. Tu sais, quand on n'est pas, on n'est pas à Laval, mettons, là, ça pourrait être aussi justement, ou même si on est à Laval. Oui, puis c'est la même idée. Puis surtout quand ça vient de volonté citoyenne et de groupe, même si ça ne fait pas partie des aires protégées officielles du gouvernement, si un groupe de citoyens se mobilise et protège la perpétuité des milieux naturels, c'est assez difficile pour une municipalité ou un gouvernement après ça de dire « on va vous exproprier pour mettre un quartier résidentiel ou une usine là-dessus ». Alors, déjà de mettre une servitude de conservation ou un terrain comme tel en protection là, par un organisme de conservation ou par une fiducie de conservation, c'est déjà un grand pas pour le préserver à perpétuité. Puis pour la question de convaincre la ville ou les gouvernements de protéger un milieu, bien, c'est une réponse plate, mais c'est d'en parler. C'est de parler à votre conseiller, si on prend je ne veux pas donner d'exemple, mais en tout cas, si on a un conseiller qui nous dit « Ah, ben moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit que ça avait de la valeur, cet endroit-là, puis on l'a vendu », ben non, justement, il y a peut-être des citoyens qui ne voulaient pas que ça soit vendu, qui ne voulaient pas que ça soit développé, qui voulaient que ça soit protégé. Donc, simplement, d'avoir un politicien, de savoir que vos élus sont au courant d'une problématique ou d'un enjeu, ben c'est déjà un bon pas. Après ça, ben, il y a toujours la rédaction de mémoire au creux. Moi, j'aime beaucoup les mémoires. On en écrit beaucoup au creux, puis c'est des longs mémoires. Mais un mémoire, ça le dit dans le nom, c'est vos mémoires à vous, c'est ce que vous pensez personnellement. Un mémoire, ça peut être une page, ça peut être deux, trois pages, ça peut être scientifique comme ça peut ne pas l'être. Si c'est juste vous qui racontez une histoire de comment, pourquoi votre pré derrière votre maison vous rend heureux parce qu'il y a des oiseaux qui viennent, parce qu'il y a des fleurs partout, c'est ça. Bien, ça rentre dans un mémoire, puis ça va être analysé par la ville quand même, par les comités consultatifs, tout ça. Donc, c'est vraiment de se faire savoir, de se faire connaître, de faire connaître des milieux. Je pense que c'est... Puis on l'a vu là, dans les dernières années, là, on a de nombreux exemples là, de regroupements citoyens qui se sont levés, qui ont fait connaître des milieux naturels qui étaient méconnus du reste de la population. Et après ça, ben ça s'en va au conseil municipal. Puis on en parle. Puis après ça, ben, on en reparle encore au prochain conseil municipal. Puis à force, ben on finit par avoir gain de cause. Puis faut pas oublier que nos élus, ils sont justement élus. Puis là, il y a un rendez-vous électoral à chaque 4 ans. Mais les élus, ils pensent toujours là s'ils se font réélire. Un promoteur n'a qu'une voix. C'est un citoyen comme un autre. Ça reste un citoyen corporatif, mais il n'a qu'une voix. S'il y a un promoteur contre 1000 citoyens. Bien, je veux dire, un élu a bien plus peur de perdre l'appui de 1000 citoyens que d'un promoteur. Tu sais. Donc, je pense que c'est simplement de reprendre de reprendre possession de son statut de citoyen. Wow. C'est vrai pour les milieux naturels, mais c'est vrai pour tout espace de verdure en ville. Moi, j'habite à Montréal, puis j'ai vu le combat des Amis du Champ des Possibles, qui est un terrain vague, en plein milieu du Mile End, où les citoyens sont mobilisés pour dire on veut le garder tel quel. Hein? On n'y plante pas des arbres, on n'y met pas du gazon. On veut avoir ce terrain naturel, ce terrain vert qui a une certaine biodiversité. Et puis, bon, il n'est pas encore protégé, mais il y a eu des intentions de la ville et tout ça. Il n'y a pas eu de bâtiments qui ont été construits dessus. Alors, les citoyens ont un pouvoir. Parlez-en à votre voisin, parlez-en à vos amis, et puis agissez, et puis vous avez du pouvoir pour conserver ces lieux-là. Le Cornelia aussi. Merci. Il y a une chose qui j'aimerais ça que les gens comprennent, parce que je pense que ce n'est pas super connu, c'est qu'on veut tous avoir une municipalité qui va bien, qui peut se permettre d'avoir des beaux projets, des beaux terrains de jeu, des belles écoles, etc. Mais mettre un terrain côté pour la préservation, c'est une perte financière incroyable pour la ville parce qu'elle perd les revenus de la vente, mais aussi tous les revenus de taxes. Puis un budget municipal est presque uniquement bâti sur les taxes.
Donc, si ce n'est pas pour les citoyens qui réclament la volonté de préserver ce territoire-là, il n'y a pas beaucoup d'autres arguments. Donc, ce n'est pas un argument financier. Je vous ai mis l'exemple du bois très carré. C'est un petit bois au centre-ville justement de Laval qui a fait beaucoup les manchettes en 2019. Et la moitié du terrain devrait être vendu à des fins de construction de condos. Et je vous ai juste pour vous compreniez l'engagement de la ville de dire non, je vais pas vendre. La valeur du terrain était presque 18 millions de dollars. Puis je vous ai mis en haut, il y a un complexe avec presque 200 logements, mais ça, c'est 300 000 dollars par année en taxes. Donc il faut s'imaginer, c'est 18 millions au début, puis un autre 3, on aurait facilement pu mettre 3 bâtiments comme ça dans ce lot-là. Donc, c'est peut-être un autre million par année que la municipalité doit dire non, je fais abstraction de cet argent parce que c'est les citoyens qui disent on veut avant tout garder ce petit îlot de fraîcheur que d'avoir se renflouer les coffres. Et pour vendre l'idée de protéger ce milieu-là, bien, ça serait de parler de toutes les économies au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique des collectivités qui entourent ce milieu-là. Là, qui représente autant d'économies que les villes peuvent faire. Donc, on rentre dans une technique. Là, après ça, si vous voulez faire un mémoire sur les services que rendent les milieux là, au niveau de la santé mentale, de la santé physique, mais ça se fait. C'est vraiment de montrer que la population en serait vraiment, en sortirait gagnante. Puis il y a un autre élément aussi que j'aimerais introduire, c'est l'exemple. On a un super bel exemple de ça, c'est le bois de Naples. Tout récent, là, que vous avez fait du travail pour le bois de Naples. Pardon? C'est tout récemment que vous avez fait beaucoup de travail. En fait, le bois de Naples, ça fait longtemps qu'il est adopté par les résidents du quartier. Puis ça fait longtemps aussi qu'au creux, on le surveille. Puis on surveille qu'est-ce qui se passe avec ces terrains-là. Mais bon, oui, cet été, on a fait un mémoire pour le faire protéger. Mais il y a aussi le regroupement citoyen pour les amis du bois de Naples qui ont eux-mêmes fait un mémoire à ce sujet. Mais là où je veux en venir, c'est que les gens du Bois-de-Naples ont fait des sentiers, ils font des patinoires l'été, ils ont nommé leurs sentiers, ils font des décorations pendant l'Halloween, pendant Noël. Je veux dire, ils se sont appropriés le territoire. Puis je veux dire, c'est pas une dompe, là, c'est pas une poubelle, le Bois-de-Naples. C'est très bien entretenu. Puis c'est vraiment un exemple d'une appropriation citoyenne qui peut forcément encourager la ville à en faire l'acquisition. Et dans le plan de conservation des milieux naturels que la Ville a adopté cet été, dans un des critères pour déterminer si un milieu a une valeur ou pas, c'est de savoir si les citoyens se le sont appropriés. On voit que dans ces outils réglementaires, dans ces outils de planification du territoire, la Ville commence à donner une bien plus grande voix à l'appropriation, à ce que les citoyens font là, de manière, même si ça reste dans l'illicite, le semi-légal, parce que construire par des sentiers, par des décorations, c'est pas légal, mais ils se sont appropriés. Donc, en fait, c'est ça. La ville donne de plus en plus d'importance à ça, l'appropriation collective. Il y a Mélissa aussi, je pense, qui voulait réagir. Je m'excuse. Oui. Non, mais je suis vraiment désolée parce que j'entends les caps polaires fondre dans mon salon. Puis, je vais bientôt devoir probablement quitter parce que j'ai des enfants en bas âge qui m'attendent pour le dodo. Fait que je m'excuse de devoir annoncer ça maintenant, mais non, j'entends mais les... Bon. On approche la fin de toute façon, Mélissa. Oui, c'est ça. C'est juste si jamais il y a quelque chose qui se passe. Je voulais pas que vous soyez surpris. Si on te voit disparaître. J'avais une question. En fait, j'ai deux dernières questions, justement. Une de Liane qui demandait, bon, tu sais, elle faisait un peu de retour sur ce que tu mentionnais, entre autres, Cornelia, par rapport au fait de nourrir les oiseaux. Puis elle disait, c'est quand même dommage parce que c'est une activité qui est très chouette, justement, de nourrir les oiseaux avec les enfants notamment et même les grands. Qu'est-ce que tu conseillerais, Cornelia, plutôt que lancer justement des mille pains? Donc, très bonne question, c'est ça. C'est pas, j'ai oublié de mentionner, mais merci Liane, c'est pas une activité qu'on doit abandonner. L'idée que je voulais amener, c'est juste de bien se renseigner. Puis des graines de tournesol avec les cailles encore autour, c'est la meilleure chose qu'on peut offrir. Sinon, il y a la suie. C'est comme, surtout en hiver, quand il fait très froid, ce mélange de graines et de gras
qui fait que les petites mésanges, il faut quand même s'imaginer que la petite mésange, elle va survivre à moins 20, moins 30. Ah, c'est surprenant. Donc, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment les graines et la suie, donc un peu de gras, de protéines et de graines mélangées. Et finalement, ma dernière question, justement, venait de Sylvie. En fait, oui, j'ai plusieurs interactions, justement, en même temps dans la zone de discussion. C'est très chouette. Sylvie qui mentionne, bon, j'habite Pont-Vieux depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup d'arbres se faire couper pour des installations de piscines. Le nombre d'air climatisé a augmenté. Les toits noirs de maisons augmentent. Qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser les citoyens et les contracteurs? Ben moi, je pense qu'il y a la sensibilisation, mais il y a aussi la réglementation. Tu sais, c'est toujours la question de la carotte et du bâton. C'est bien beau de donner des subventions à l'efficacité énergétique, mais il faut aussi interdire les pesticides, puis il faut aussi obliger les toits blancs, puis il faut aussi... Alors, c'est un peu des deux. Ça fait que les citoyens vont embarquer, évidemment, si on les sensibilise et on leur dit l'effet que ça a non seulement sur l'environnement, mais sur eux-mêmes. Hein? On parlait des îlots de chaleur et tout ça, mais aussi, il faut leur mettre un petit côté que, bon, ben, vous n'avez pas le choix. Hein? On a interdit les foyers à feu de bois à Montréal pour éviter le smog. Ben, les gens l'ont fait. Sinon, ça ne serait pas fait. C'est le fun, un feu de bois en hiver, assis en amoureux sur le sofa, mais il faut un peu des deux. Je peux me permettre. Moi, j'habite à Longueuil présentement, puis j'ai vu de la mobilisation citoyenne se faire beaucoup sur Facebook dû au fait qu'il y a eu beaucoup de ventes de maisons unifamiliales pour construire les blocs appartements. Et j'habite dans un de ces nouveaux blocs appartements. Mais ils n'ont pas tous été construits de façon égale ou bien réfléchis. Par chance, le mien a un arbre gigantesque en arrière et ils ont planté des arbres dans la cour aussi. Mais ça a été un influenceur. Pourquoi on a loué cet appartement-là, pourquoi on avait de l'intérêt? Parce que certains ont été construits vraiment proches des autres maisons. Ils ont coupé des arbres anciens qui étaient en santé. Et ça peut dévaluer justement la valeur d'un quartier, la valeur de la maison voisine. Donc, souvent, ça peut être un déclencheur de mobilisation dans un voisinage pour justement empêcher ce genre de construction explosive, puis un peu n'importe comment, au détriment des arbres. Donc, j'ai vu, parce que la mairie a justement arrêté les permis pour pouvoir mieux étudier ce qui se faisait présentement, parce qu'on a vu des choses comme les portes d'entrée de 4 blocs appartements qui donnaient sur la cour arrière. Tu sais, c'est, des fois, ne pas négliger la voix des citoyens et de justement pouvoir dire la dévaluation de nos propres quartiers, de nos propres habitations, ça peut être des fois un motivateur, même pour quelqu'un qui n'a peut-être pas une âme environnementale, mais de dire c'est ce que ça crée. Mentionner que ça ne fait pas de sens. Là. Ça ne fait pas de sens et ça ne donne pas le meilleur feeling pour un quartier, de dire est-ce que j'irais habiter là? C'est pas mal nu. C'est, alors qu'un autre va avoir un beau parc qui a été aménagé. Ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a mobilisé à venir vivre là. Donc, c'est voir aussi quel genre de quartier tu veux habiter et quel genre de population aussi ça va permettre de faire venir vivre ensemble. Gilles, je m'excuse, j'avais dit que c'était peut-être mes deux dernières, mais moi, j'en ai une parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui le mentionnent sur les réseaux sociaux en lien avec Effet Transition, qui nous parlent de plantation d'arbres. Puis Mélissa, tu viens de me tendre la perche parfaite, justement, en parlant de ça. J'avais une question sur ça aussi. J'ai envie, justement, d'envoyer la question vers Cornelia parce que je sais qu'actuellement, Canopy participe à beaucoup de programmes de plantation d'arbres. Qu'est-ce qu'il y en a justement, entre autres, à Laval, puis pour la plantation d'arbres? Comment les citoyens peuvent faire justement pour avoir plus d'arbres dans leur quartier, justement, comme Mélissa le mentionnait, puis ainsi voir davantage de biodiversité? Puis il y a la valeur qui augmente aussi à tout le monde. Bien sûr! Je pense qu'en premier lieu, c'est comme vous l'avez dit, je pense que chacun peut commencer chez soi, c'est de transformer le gazon en pré fleuri, c'est de transformer ou de mettre... parce que souvent, c'est que j'étais longtemps certificatrice de santé d'arbres, donc comme une ingénieure forestière qui se promène dans la rue, qui mesure les arbres,
Et la moitié des gens aiment ça et la moitié des gens m'ont interpellée pour dire « Ah, oh, il y a trop de feuilles qui tombent dans ma piscine, puis c'est juste… D'abord, c'est les feuilles, après, c'est les fruits, après, c'est les feuilles. » Tout, c'est beaucoup de travail. Puis de dire, de voir de la beauté là-dedans, de ne pas avoir peur de ses travaux, mais de prendre le plaisir de ne pas voir brûler ses enfants au soleil, mais d'avoir qu'il y a la protection au-dessus, qu'il y a des arbres où ils peuvent jouer paisiblement en dessous, ça fait beaucoup de plaisir. Sinon, je pense que ça commence à changer un peu, de voir que justement, je pense que la crise de la grille du frein, cet insecte introduit qui ravage nos freins, puis c'était un des arbres les plus plantés en milieu urbain. Et on a vu avec les chercheurs qui ont suivi cet agrès du frêne que lorsqu'il arrive et il diminue la quantité de canopée dans la ville, il y a plus de mortalité. Donc, c'est vraiment à cause des maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Pour une ville de Montréal, c'est à peu près 1 000 à 2 000 personnes de plus par année qui meurent prématurément parce qu'on ne respire plus la bonne air. Et le bonheur. Oh, et le bonheur aussi. C'est voulu. Donc, je pense qu'on commence à comprendre. Puis justement, nous, on peut offrir aux citoyens de financer leur projet de verdissement de plantation d'arbres jusqu'à 50% parce qu'on a reçu une subvention du ministère de la Santé. Donc, de plus en plus, on reconnaît ce lien très, très fort entre notre bien-être et notre santé et la verdure, les arbres qui nous entourent. Donc, je pense qu'on commence à le sentir, puis on va en planter de plus en plus. On travaille fort là-dessus. Merci beaucoup à vous tous les questions. Gilles, à toi. Non, mais ça, parce que ça me fait penser que je vois ces temps-ci sur le site, sur la page Facebook de Laval en transition, il y a un projet, il y a la promotion présentement d'un projet qui vise à faciliter l'acquisition d'arbres fruitiers pour de simples citoyens. Donc, ce regroupement-là fait qu'on peut acheter un arbre fruitier à un coût vraiment remarquablement bas là, par rapport, bon, je ne veux pas faire de mauvaise publicité là, sur les pépinières et tout, là, mais il reste que... moi, je pense que c'est une très, très bonne piste, l'idée que ça commence chez soi, autour de chez soi aussi. Moi, ce que j'aime, une petite chose que j'aimerais souligner en terminant, là, sans oublier de vous remercier, bien sûr, c'est que je pense qu'il faut valoriser l'engagement citoyen et puis redonner ce pouvoir-là sans qu'on soit des experts. Moi, j'en suis pas un, mais je pense que quand on se mobilise tous ensemble, on peut faire bouger les choses, que ce soit au niveau municipal où il y a beaucoup de leviers, puis à d'autres niveaux. L'autre commentaire qui me venait, c'est un peu comme peut-être ce que j'ai appris, ce que je retiens, c'est d'arrêter de se voir comme séparé de notre environnement. Puis là, je sens que Mélissa va être appelée par son environnement. Mais un terrain qui est laissé à la nature, il ne nous est pas ôté. Et une aire qui est protégée, elle est protégée de nous-mêmes, mais c'est nous qu'on protège aussi, j'ai l'impression, quand on protège notre environnement. Et cette espèce de séparation-là, je pense qu'il faut arrêter de la voir. Et puis moi, là-dessus, j'ai une très, très grande reconnaissance aux populations autochtones, à la culture autochtone, qui, je pense, qui peut nous enseigner ça et qui veut nous enseigner ça. C'est pour ça, tantôt, quand je disais qu'il y a des liaisons qui se font à ce niveau-là, c'est pour moi, ça me rend, en tout cas, optimiste parce que c'est important de l'être parce que sinon, il y a tellement de raisons d'être pessimiste. Mais ce soir, moi, vous m'avez rendu optimiste par tout ce que vous m'avez partagé, tout ce que vous nous avez partagé. Puis je tiens à vous en remercier très, très cordialement. Cornelia Garde de Canopée, Réseau des Bois de Laval, Hubert Lavallée de Protecteur, Alexandre Choquette du Conseil régional d'environnement de Laval et Mélissa Molène-Dupuis de la Fondation David Suzuki. Je vous remercie infiniment. Merci pour l'invitation, en tout cas. Ça a été une belle expérience. Vraiment, je souligne votre générosité puis le temps que vous avez pris à préparer et à participer à cette soirée-là.
Ce n'est pas tout à fait terminé pour moi parce que je vous avais parlé d'un tirage au début de notre rencontre. Donc, j'ai toujours ça en tête, inquiétez-vous pas. Et le tirage, bien, c'est aussi une manière de vous remercier, chers citoyens et citoyennes qui avaient pris part, que ce soit par votre écoute attentive, par vos questions, vos commentaires, vos réflexions. Merci d'avoir participé. Alors, pour le tirage, c'est très simple. Si vous voulez gagner l'exemplaire du livre de Laure Varidel, vous devez dans le chat répondre à ma question mathématique. Quel est le pourcentage ciblé pour la protection du territoire du Québec d'ici 2030? Alors, on veut le pourcentage et la première personne qui va arriver avec une bonne réponse, Marianne va entrer en contact pour faire le suivi. Je voudrais terminer aussi en saluant le travail extraordinaire de Laval en transition, Lavalois et Lavalloise en transition, qui est un organisme très, très jeune, hein, qui a à peine, je dirais, une année et demie, et déjà qui a pu produire ce rendez-vous vraiment incroyable tout le mois de février et jusqu'à la mi-mars, effet transition. Et pour que ça fonctionne, tout ça, je vois nos amis qui encouragent. Donc, Lavalois en transition, Lavalloise en transition, un organisme tout jeune qui a besoin de soutien et d'engagement. Il y a deux façons de s'engager. C'est en s'impliquant évidemment en s'intéressant à ce qui se passe, en s'impliquant comme citoyen. Et si vous allez sur la page web de Laval en transition, vous allez voir qu'il y a un endroit où on décrit bien tout ça, là, dans quel comité, où est-ce qu'on peut aller donner un petit coup de main, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, le fait de participer, ça, c'est vraiment la meilleure façon, je pense, de soutenir Laval en transition. Puis, éventuellement aussi, ce n'est pas négligeable, c'est des contributions monétaires. Il y a aussi un petit onglet où vous pouvez contribuer par un don. Ce que plusieurs des participants ont fait déjà là, en achetant le passeport pour effet transition. Donc, tous les sites web là, qui sont liés à Laval en transition, la page Facebook, tout ça, là, ça va être copié dans le chat. C'est peut-être déjà fait même. Il me reste une minute là, pour vous parler de quelques activités qui s'en viennent. En lien avec ce qui nous préoccupe ce soir. Dès demain, on a évoqué ça, je dirais un peu rapidement, mais demain à midi, il y a le Conseil régional de l'environnement de Laval qui présente une conférence sur la santé et la qualité environnementale. C'est à midi, demain. Je pense que la façon la plus simple, Alexandre, tu peux me confirmer, c'est d'aller sur la page Facebook du Conseil du CRE de Laval et la conférence va être présentée en direct hein, sur cette page-là. Oui, la conférence va être présentée en direct sur notre page Facebook. Puis si vous voulez aussi rentrer directement dans le Zoom avec nous, ça se peut qu'on ait déjà atteint le nombre. Il y a beaucoup de monde déjà. Hein? Mais vous pouvez vous inscrire par Eventbrite. Sur Eventbrite, via notre page Facebook, là, il y a un événement dédié oui, à la conférence. Je l'ai vu passer, c'est très simple. Là, oui, c'est vraiment ça. C'est, si vous avez un abonnement à Facebook. Dans ce qui s'en vient avec le forum, le 17 février, il y a une conférence présentée par Mélissa de La Fontaine qui s'intitule « Conférence tendre vers le zéro déchet ». Il y a une activité également dans la série, parce que le forum fonctionne par série. Ce soir, on était dans le cadre de la série « Repensons nos terres ». Et il y a une autre activité en lien avec cette série-là qui est présentée le 23 février à 19h. On va recevoir Wen Roland, qui est un expert en permaculture pour cultiver et concevoir le monde en harmonie avec la nature. On n'était pas loin, je pense, de ce que Protecteur poursuit comme objectif aussi. Il y a d'autres participations gratuites aussi qui sont offertes, une activité de remue-ménage sur le thème de l'apport de nos terres. Ça, c'est le 9 mars en soirée. Il y a des activités participatives le 27 février et le 6 mars pour construire ensemble un monde, un meilleur avenir à Laval. L'activité s'appelle Laval en 2050 et toute une journée aussi d'idéation sur le passage des idées à l'action qui va se tenir le 6 mars.
pour en savoir plus sur tout ça, c'est simple, il suffit de visiter soit le site web de Laval en transition ou le site web de Effet Transition. Toutes les informations sont disponibles sur ces sites-là. Alors, en terminant, pile à 9 heures, immense merci à nos panélistes encore une fois pour votre généreuse participation à notre soirée. Merci à toutes les personnes également qui y ont assisté et participé à leur manière. Je vous souhaite une belle fin de soirée et à très bientôt. À très bientôt, merci. Bye bye tout le monde, merci pour l'écoute. Merci Mélissa pour l'invitation.